de sa paternité. Juste derrière moi, Loïc Miri, qui lui aussi pourra parler de sa paternité. Et on ne présente plus Alain Honoré, politicien. Et juste à côté d'Alain, je crois qu'on ne présente plus, d'après ce que vous m'avez montré, on ne présente plus Olivier Berisson. Bonsoir Olivier. Et donc, une première histoire m'a plu. Et je comprends aujourd'hui. C'est cet homme qu'on nomme le braqueur, mais je n'ai pas envie qu'on parle de lui uniquement comme d'un braqueur. Quand j'ai eu le temps d'échanger avec lui, c'est un auteur aujourd'hui. Auteur, je ne sais pas si vous connaissez, avec le gang des Antillais, Loïc. Loïc, il pourra parler de lui. C'est un enfant qui, à 13 ans, première rupture avec son île, sous l'effet de Midom et toutes les conséquences que ça a eues. 13 ans coupé de sa culture pour vivre avec tous les aspects parfois péjoratifs parce qu'on est différent. Et puis il décide, hein, parce que la vie est difficile, c'est pas ce qu'on nous avait promis. Et là, il décide, écoutez, de trouver un moyen de s'en sortir financièrement. Il y a un gang qui se met à braquer. Je dis pas que c'est bien, mais en tous les cas, il se débrouille. Qui se met à braquer des postes, des banques. Mais il me semble, tu m'as dit que tu étais déjà papa à 17 ans et demi. Est-ce que tu peux m'en parler? Parce que papa à 17 ans et demi, est-ce qu'on est déjà conscient de ses responsabilités? Je vous laisse la place, messieurs. Bonsoir à tout le monde. Pour répondre directement à ta question, papa à 17 ans et demi, effectivement, avec toutes les contradictions, c'était dans le temps effectivement un papa marginal, puisque je l'ai toujours été à ma manière, et je pense que je le suis aussi toujours. Donc, est-ce qu'on est conscient? Peut-être qu'on n'a pas cette conscience, mais au moins j'ai été responsable, et je pense l'avoir été jusqu'à maintenant, avec mes contradictions, mais effectivement j'ai été un père. Je ne peux pas dire que je l'ai voulu, ça s'est fait encore de manière marginale, mais pour moi, le principal, c'est que j'ai assumé et que jusqu'à maintenant, j'assume. Alors, à 17 ans et demi, pour moi, tu deviens un modèle. Tu as des jeunes, dans le contexte dans lequel on évolue, tu as des jeunes qui ont décidé de braquer, pareil. Moi, j'entends que après, tu as commencé, ça y est, à prendre conscience. Mais comment et pourquoi il y a eu cette prise de conscience? Si tu veux rester sur le titre de braqueur, péjoratif ou pas, c'est un peu comme un enfant, en fin de compte. Tu vas avoir le même cursus de l'enfant. De l'enfant qui arrive à un stade, et puis après, on se dit, mais cet enfant, c'est un voyou. Cet enfant, il est superactif. Cet enfant, c'est un braqueur. Cet enfant, c'est un introverti. Et donc, pour ça, il faut là que tu sois psychiatre. Bien souvent, la plupart des gens vont faire une fixation sur un fait qui se fait. Et maintenant que je suis soigné à l'hôpital, je vois un peu le cursus de quelqu'un. Quelquefois, tu peux très bien avoir un gars qui est super gentil, très mignon, et dans tout son circuit, qui est même introverti, je dirais même passif. Et qui, à un moment, va rentrer à la maison, sa femme va lui dire « tu es un imbécile ». Il va arriver encore un peu plus loin, son grand-père lui dit « mais tu es un con ». Et puis après, un peu plus loin, un copain va lui dire « tu es mon ami ». Et ce sera une caresse. Mais lui, débordé, il va planter le copain. Il va se dire « mais pourtant, le copain lui a fait une caresse et il a planté le copain ». Donc ça t'exprime tout un circuit qui fait que le verre a débordé et peut-être que celui que tu as fait une caresse, c'est lui que tu plantes. Et donc pour analyser surtout le monde paternel et surtout pour analyser la question à laquelle je me porte en tant que braqueur, tu vas avoir un journaliste qui est dans un monde, comment dirais-je, parce que mes deux enfants, mes deux premiers enfants sont métis, donc je les ai eus en métropole, et comme tu l'as dit, je suis parti très jeune, à l'âge de 13 ans en France. Et ça, quand je suis parti en France, à l'âge de 13 ans, je n'étais qu'un garçon qui se baladait un peu partout et qui n'avait aucune conscience. J'étais ce qu'on appelle un acculturé.
Et quand je me retrouve en France, je découvre plein de choses, comme le racisme, comment dirais-je, le blanc, le noir, l'arabe, etc. Et je n'avais pas ces notions-là dans mon pays. Et donc, à un moment, effectivement, je suis un travailleur, puisque je n'ai pas voulu insister sur la nature de braqueur, mais je vais te montrer tout ce qu'il peut faire un cursus. Et ce cursus-là, tu as un gars qui, quelquefois, lorsqu'il s'assoit dans le métro, il se rend compte que la personne qui est assise à côté se met debout. Et il se pose la question et c'est là qu'il se rend compte qu'il avait un nègre. Et ce nègre-là n'avait pas cette conscience-là. Et à un moment, lorsqu'il y a une petite réflexion, même sporadique, il se rend compte qu'en fin de compte, il a d'abord un problème identitaire. C'est même pas un problème social. C'est-à-dire que ce même garçon, même s'il est un travailleur, même s'il est le meilleur de la classe, même s'il est le premier à l'école, même s'il travaille à la banque, même s'il est bien intégré dans la société, il a un grand problème. Il a un problème de souche. Il a un problème de sa propre personne et il sait qu'il est totalement écarté. Et il sait qu'il ne fait plus partie d'une société. Il a deux solutions. Soit il est un assimilé, il coupe les chines, ou bien sinon il est révolté. Donc ça a été un peu mon cas. C'est-à-dire que quand je ne braque pas seulement parce que j'ai un problème social, je braque parce que j'ai une sculpture qui fait que je ne me considère plus comme français. Et je ne dis pas ça avec sectarisme, ni avec méchanceté, ni avec racisme. Parce que s'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est cela. Mais il y a une réalité qui fait que je deviens un braqueur. Mais je n'ai pas encore une conscience. Je n'ai que des velléités de conscience. Et donc, comme tous ceux qui commettent des méfaits, je me retrouve en prison. Et dans cette prison qui est une métro-société, la même souffrance, comment dirais-je, la même souffrance culturelle, la même souffrance que tu, identitaire, et comment dirais-je, c'est encore pire, puisque c'est une micro-société, et là il n'y a plus, tu es dans la jungle. Et moi j'avais deux solutions. Soit j'avais la possibilité de devenir un peu haineux, puisque la haine a frappé à ma porte, mais j'ai eu la chance, j'ai la culture qui a frappé à ma porte. Et en prison, à l'âge de 19 ans, je découvre la culture. Et avec la culture, je découvre des hommes qu'on ne m'a jamais appris à l'école. Je découvre une histoire qu'on ne m'a jamais appris. Je me rends compte que je ne suis pas un petit imbécile. Je me rends compte que j'ai une chose culturelle par l'intermédiaire d'un homme de Cheikh Otta Diop, national et culture, que j'ai des, que, je ne dirais pas mes arrières, mais ma souche culturelle est puissante. Avec l'Égypte, avec des pharaons, avec une civilisation, avec des maths, avec toute une structure civilisée que je ne connaissais pas. Donc je me rends compte qu'en fin de compte, que le braqueur qu'on voulait me faire passer, en fin de compte, n'était qu'une réaction de crime commis par celui qui m'appelle braqueur. Et chance pour moi, je découvre la littérature, comme je le dis avec Césaire, avec Léon Damas, avec ce qu'on appelle le triumvirat, Césaire contre Léon Damas, Cheikh Otta Diop, Fanon. Et c'est Fanon qui, lui, devient mon psychiatre. Et c'est Fanon qui, dans ma lecture, dans le milieu carcéral, au bâtiment D2, quand je lis Nationeg, quand je lis Les damnés de la Terre, ou Peau noire et masque blanc, que je découvre, en fin de compte, que je n'étais qu'un élément, qu'un pion, que rien du tout. Et Fanon m'apprend, il devient mon psychiatre. Et grâce à cette psychiatrie, je m'adhère à la culture. Je fais la connaissance à un homme qui s'appelle Chamoiseau, qui lui était éducateur, mais qui lui aussi était dans la même réalité. Ce que je veux dire, que même le Césaire, par exemple, lorsque Césaire se trouve, lorsqu'il fait ses études, et qu'il va, avant d'écrire tout ce qu'il a écrit, lui aussi subit tout ce que moi j'ai subi. Sauf que nous n'avions pas cette, comment dirais-je, cette réflexion pour en parler. Mais même Césaire, à un moment où il est dans une rue, et on lui dit « Dégage, sale nègre », il dit « Ce nègre, il t'emmerde ». Donc ça prouve que tu as tout un cursus qui peut faire de toi un assimilé, qui sera gentil mais qui ne va jamais mettre en évidence sa culture, qui ne va jamais mettre en primauté sa réalité, qui va accepter et qui n'aura jamais une place dans la société. En tout cas, selon la base coloniale, sa place sera une place de subalterne. Il ne sera jamais président de la République. Il peut être un ministre de manière sporadique, mais juste pour cacher les gens. Donc je vais fermer la parenthèse pour te montrer que ce type de braqueur ne me fait ni chaud ni froid. Par contre,
étant donné que j'ai une réflexion, étant donné que j'aime mon père, mon peuple, étant donné que je n'ai, même si je l'ai subi, que je n'ai pas de racisme en moi, que je n'ai pas de sectarisme, et comme le dit Édouard Glissant, que je le veuille ou pas, nous sommes dans le monde, dans le tout monde, c'est-à-dire que dans le monde du message, mon rôle à moi, ce n'est pas de mettre en lumière l'apologie du crime, ni inciter mes jeunes à être braqueurs, mais seulement à faire comme toi tu fais, à structurer ma paternité, à savoir que lorsque je vais avoir un enfant, deux enfants, qui ne sera pas dans la rue, parce que moi en tant que père, je ne prendrai pas la responsabilité, que ce sera à moi de le rendre responsable. Ce sera à moi de lui donner des images, de telle sorte qu'il se voit, lui, Dieu, comme les autres. Que de telle sorte que lorsqu'il choisit une poupée, que c'est lui qui choisit, il peut choisir une poupée noire, blanche ou chinoise, mais en tout cas, qu'il ne soit pas digué par une sculpture coloniale et une sculpture criminelle. Et de faire comme toi tu le fais, pour que je n'abandonne pas, pour que je sois un père, pour que je sois en harmonie avec la mère de cet enfant, pour que demain, cet enfant devienne une souche, un peuple, une fierté. Merci, c'est très touchant. Et je crois que vous commencez bien. Ce que j'entends aussi, ce qui m'interpelle, j'aimerais que les autres entendent aussi. Tu es devenue, moi, quand on a échangé, tu as dit, ça y est, j'ai pris conscience du moi et de cette responsabilité. Donc une fois enfermé et hors de ce système où on ne se rend pas compte qu'on est aliéné, parce qu'on subit la pression, ce sont ces écritures, ces lectures qui t'ont permis de découvrir ton moi. Sauf qu'en face de toi, il y avait un père. Tout à fait. Sauf qu'il y a une chronologie. J'ai été père décédément. La mère de mes enfants, que son amour présentait, est décédée. Donc, qui était métropolitaine. Bien sûr, j'ai subi ce qu'il avait à subir. Je veux dire que cette femme qui m'aimait très fort, même elle était plus âgée que moi. Elle était aussi marginale que moi je l'étais, donc je n'avais pas de réflexion, comme je le dis à ce moment-là. Mais moi, j'ai découvert ce que j'ai toujours connu depuis à mon arrivée de sortir de la Martinique, avec la Martinique. C'est-à-dire que lorsque j'arrive en France, ce qui veut dire que lorsque je vais, par exemple, chez son père, son père l'appelle dans la chambre et lui dit « Je ne vois pas qu'est-ce que tu fais avec ce nègre. » Sauf que cette femme est elle-même, donc mais je suis déjà dans cette... Je suis déjà dans cette réalité, puisque quand j'arrive à l'école, par exemple, dans le 10e arrondissement et que je vis, et que je commence, le professeur me dit des lectures, et que je me mets à lire, et que je vois toute une classe qui se met à rigoler, et imaginez la souffrance de cet enfant qui, dans le temps, avait sa petite raie au milieu, et lorsqu'il est dans la cour de récréation, vous avez des enfants qui s'accrochent comme ça à ses cheveux, qui le tirent, et là, je suis dans une réalité que je ne peux nier. Donc, pour répondre à ta question, j'ai 17 ans et demi, je n'ai pas de réflexion. Quand j'étais marginal comme elle-même, je n'ai pas voulu être père, mais j'étais déjà coursier. Et comme j'étais avec la mère de mes enfants, j'étais déjà coursier, qui, elle, ne travaillait pas. Et moi, j'étais le seul à travailler. Et quand elle me dit qu'elle est enceinte, on va s'occuper de l'enfant, et moi, je m'occupe de mon enfant. Je vais peut-être faire 13 stations à pied, mais mon enfant, je l'occupe. Et pourtant, j'étais marginal. C'est-à-dire que dans ce temps-là, je fumais, j'avais mon petit joint, et puis sans compter toutes les contradictions. Parce que tu arrives dans une société, mais n'oublie pas que dans les années 70, 60, dans les années 79 ou même avant 78, tu as l'émergence un peu des gens comme Angela Davis, en Afrique du Sud, Steve Biko et compagnie. Tu as Marley qui arrive, tu as Peter Tosh. Et l'affluence que tu avais de la métropole, tu as cette contradiction qui arrive en tant qu'antillais et qui te dit attention, mon garçon, tu as les locks qui arrivent et tu as le petit joint, tu as le petit joint de chic, tu as le ceci, et tu es dans une contradiction parce que tu as un enfant qui va naître et en même temps, tu es entre les deux, entre un monde culturel que tu ne connaissais pas et pourtant qui est ton monde à toi, et en même temps, tu as un enfant qui est métisse et il faut que tu assumes entre le regard de tes copains qui sont antillais comme toi, le même regard encore des autres métropolitains qui sont aussi sectaires, mais quelquefois aussi tes copains aussi sont sectaires, et tu as tout ce que j'appelle ces contradictions. C'est pour ça que je ne peux pas dire que j'avais une réflexion totale, j'étais simplement dans un déroulement de vie qu'il fallait que j'accepte, quoi. Et je l'ai accepté. Mais qu'est-ce que t'as transmis ton père?
Pardon ? Ton père, mon père, il est mort trois jours avant mon départ. Quand je suis parti à 13 ans en France, mon père est mort. Mon père était un autonome. Il n'a jamais voulu que je parte en France. Mais étant donné qu'en Martinique, j'étais assez. J'étais un garçon aussi turbulent. Je n'ai jamais été un garçon sage. Et même avec l'âge, je ne le suis toujours pas. J'ai une réflexion, mais je ne pense pas que je le suis. Et parce que la vie n'est pas sage, malheureusement. Et donc, mon père n'a jamais voulu que je parte en métropole. Il était pêcheur, il avait un métier autonome. Mais donc, pour répondre à ta question, j'avais cet enfant qui allait naître, 17 ans et demi. Après, j'ai une fille encore un an après qui est née et je me fais arrêter. Et c'est là que je reviens encore à la femme, parce que quand je pars avec mes enfants qui sont ici, qui vivent ici, puisque bon, mes deux premiers, puisque entre temps je me suis marié et j'ai eu encore deux autres à mon retour. Mais ce que je veux dire, c'est que ces deux enfants sont ici, ils ont été, comment dirais-je, cadrés par ma mère pendant ma période carcérale. Ce qui veut dire que c'est encore là la force de la femme et de la mère. Et c'est pour cela que dans mon dernier roman, Trace de Fédéral, la première nouvelle, dans mon recueil de nouvelles, s'appelle Ce que femme veut, Dieu veut. Parce que, oui, tout à fait. Parce que malgré que je sois un marginal, malgré que je sois un turbulent, malgré que je sois un garçon anachronique, j'ai quand même une réflexion. Et sous cette réflexion, j'analyse une femme. J'analyse ma mère, ma sœur. Et je vois que la femme mérite son respect. Et donc c'est pour cela, et c'est pour cela que d'ailleurs je dédie ma première nouvelle à ma femme, à la femme, ce que femme veut, Dieu veut. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Ça fait écho. Parce que moi, merci encore pour ce témoignage. Moi, ce que je retiens, c'est que justement, il y a cette possibilité d'être en coparentalité et de pouvoir trouver un accord avec la femme et d'être dans une relation saine pour pouvoir éduquer l'enfant, même s'il y a séparation. Comment ça s'est fait? Toi aussi, tu me parles de déconstruction. Vous, tous les quatre, vous parlez de déconstruction. Elle a été nécessaire, la tienne, alors qu'il n'y a pas eu le même cadre, pas le même environnement. Alors, c'est vrai que moi, quand j'étais en 37 ans, je me suis séparé, j'avais 35 ans, donc c'était... Quand j'ai eu mon fils à 35 ans, je me suis séparé peut-être il y avait 2 ans et demi, 3 ans. Ça a été très compliqué parce qu'on parle de déconstruction. Moi, quand je me suis mis en couple et que j'ai fait ce choix d'avoir un enfant, je voulais aussi avoir le modèle de mes parents, donc avoir cette vie de famille, parce que mes parents sont toujours ensemble. Et c'était pour moi aussi le système de réussite. Et puis c'est aussi la pression aussi que la société nous renvoie. Il faut avoir ce schéma-là aussi pour dire qu'on a plus ou moins réussi sa vie familiale. Donc on s'est séparés, notre enfant est arrivé très vite dans notre vie, un an et demi après qu'on se soit connus. Donc c'est arrivé très vite. Mais on avait décidé de l'assumer pleinement. Et le fait de se séparer, c'était pour moi une forme d'intelligence parce qu'on était conscient qu'on n'était plus compatible sur un certain nombre de choses, donc on n'était plus d'avancer ensemble. Mais nous avons gardé l'essentiel qui était quand même notre fils, il fallait quand même qu'il soit bien, donc on a eu cette volonté d'être intelligent. Alors je dis ça c'est pas un rêve, hein, c'est pas quelque chose de. Tout n'est pas lisse, il y a des fois qui ne sont pas d'accord, mais on garde quand même que l'essentiel, c'est qu'on arrive à fonctionner pour que lui soit bien. Et c'était très, très, très compliqué d'accepter ce schéma-là, parce que ce n'est pas celui que je voulais au départ. Et puis surtout, se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'on sera à la hauteur d'accepter, parce que si je l'ai quand même une semaine sur deux, la semaine où il n'était pas avec moi, est-ce qu'il n'avait pas eu besoin de moi? Est-ce qu'il n'avait pas le vu comme un abandon? Est-ce que j'ai été à la hauteur de ce qu'il attendait de moi? Je me suis posé plein de questions, je me suis mis une pression moi-même aussi. Et puis il y a le regard aussi des autres aussi qui a aussi un impact aussi sur nos choix. Parce qu'autour de moi, quand même, tous mes amis étaient en couple. Donc même aller des fois me rendre dans des fêtes ou dans des réunions où on se retrouvait, en fait, des rencontres où on se retrouvait. Accepter aussi de venir seul ou avec mon fils aussi, c'était un schéma aussi particulier. Donc, parce que le regard est très important. Donc il a fallu que je me pose des bonnes questions. Je fasse ce travail de déconstruction-là, que je revienne aussi à ce qu'on appelle l'estime de soi, à me pardonner un certain nombre de choses, parce que ce sont des traumas aussi qu'on a grandi avec. Et il faut les comprendre pour accepter les situations qui nous arrivent. Et c'est pour ça que je me suis aussi beaucoup intéressé au développement personnel. Ça m'a beaucoup aidé aussi à comprendre un certain nombre de choses et à accepter.
Et avec la mère de mon fils, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en étant séparés, on fonctionne beaucoup mieux, on se comprend mieux. Parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, quand un couple ne va pas, en général, c'est parce qu'on n'entend pas l'autre. On n'entend pas l'autre. L'autre nous explique un certain nombre de choses, mais on ne l'écoute pas, ou on n'a pas envie de l'entendre, ou on n'entend pas tout bon. Et ce problème de communication a fait que ça grandit, les choses s'accumulent jusqu'au jour où ça explose. Et là, dans ce schéma-là, on apprend à s'écouter. On a la chance de ne pas vivre sous le même toit, donc le recul est nécessaire. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, au moins on a du temps pour revenir sur le sujet qui n'a pas été compris. Et aujourd'hui, ça va. On n'est pas tout le temps d'accord, mais en tout cas, la forme sur laquelle, l'importance en tout cas des accords n'est pas aussi importante que quand on est en couple. Moi, j'entends que Loïc a fait une déconstruction ensuite. Là, se construire, et tu n'as pas fini de te construire, ce que j'entends. Du coup, ta construction passe par le développement personnel et toujours en quête de l'homme que tu as envie d'être. Oui, la meilleure version de moi-même. Et puis c'est surtout est-ce que, comprendre aussi son environnement, comprendre aussi pourquoi on s'invente aussi cette vie, parce qu'on se fait. Alors, en général, c'est nous qui. On arrive, on se dit, il faut que je sois comme ça. Bon, il n'y a pas. L'idée, c'est de se trouver bien. C'est d'être bien, quel que soit le schéma, la situation dans laquelle on est. Et moi, je m'étais dit que pour être bien, il fallait être en couple, il fallait avoir des enfants, il fallait être avec sa femme jusqu'à ce qu'on meure. C'est ça, vivre, en fait, réussir sa vie. Et non, il faut juste apprendre à s'aimer, déjà. Parce que je crois que nous, aux Antilles, on n'a pas eu cette culture d'apprendre à nous aimer, de voir des autres qui étaient. Pesant, on nous a appris à faire attention aux autres, à faire attention à comment on se comporte en public, que si on fait ça, la famille, on dort sur la famille. Donc, très jeune, on a quand même cette pression où on doit quand même avoir un devoir d'être un exemple. Et je crois que cette pression-là fait qu'on fait des fois des mauvais choix parce qu'on ne prend pas le temps de s'écouter et d'assumer des choix qui sont bons pour nous, tout simplement. Merci. Ouais. Alain, toi qui as l'habitude d'accompagner les hommes dans leur processus de devenir père, que constates-tu? Est-ce qu'on est dans cette même, dans ce même cheminement, besoin de se comprendre soi pour répondre à des attentes? Alors, je pense qu'effectivement le mouvement il est en route, il est en marche, et je te félicite en tout cas. C'est pas simple évidemment parce que. Comme tu l'as très bien dit, on a nos blessures, on a nos histoires, on a nos croyances, on a ce monde dans lequel on vit, cette société dans laquelle on vit, qui nous donne des espèces de codifications, de pseudo-codifications, j'ai envie de dire, et qui ne sont pas des codifications, comme tu le dis, d'estime de soi, d'amour de soi, de confiance en soi et de fierté. Mais qui sont des espèces de choses un peu nébuleuses, qui ne nous aident pas, qui ne nous aident pas à avancer. Et je suis d'accord avec toi complètement sur l'idée de c'est un travail personnel, mais pour ça, il faut prendre conscience que ça existe et que nous avons aussi à faire cette démarche personnelle pour aller vers ce travail personnel. Donc c'est en mouvement, c'est vrai que je vois l'évolution maintenant depuis plus de 30 ans, 35 ans maintenant, ça bouge de plus en plus, j'entends effectivement, il y a beaucoup de séparations comme tu l'as constaté, mais on en parlait récemment là, avec des amis, la complexité de ces séparations, vient du fait que nous n'avons pas les codes de notre propre personnalité, de comment je fonctionne en tant qu'homme et comment elle, en tant que femme, elle fonctionne. Et comme disait Jacques Salomé, nous avons la gageure de nous mettre ensemble. Et comme il dit, un couple, c'est une association de malfaiteurs, sans mauvais jeu de mots, mais au sens où c'est terrible de devoir se mettre en couple alors que nous n'avons pas de mode d'emploi. Je n'ai pas de mode d'emploi de comment je fonctionne. Elle n'a pas de mode d'emploi de comment elle fonctionne. Et nous essayons de faire couple. Waouh! C'est quand même plutôt voué assez souvent à un échec. Donc il y a quelque chose là à travailler sur ce que j'appelle les modes d'emploi.
on peut leur donner le nom qu'on veut, mais je trouve que l'idée d'ailleurs, je digresse un tout petit peu, mais en même temps, je suis autour de ta question, je crois, que sur le fait que l'idée pourrait être un jeune homme, une jeune femme qui se rencontre, et dès ses premiers instants, pourrait avoir accès à, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une espèce de club, une espèce de. Où on pourrait apprendre des bases de communication, des bases de fonctionnement, comment les hommes fonctionnent, comment les femmes, avec des grandes généralités, mais au moins on partirait sur des bases, quel que soit ce que cette rencontre va donner, peut-être un couple, peut-être pas, mais au moins il y aurait comme. Alors peut-être je suis un bisounours moi, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait éviter beaucoup de désagréments, beaucoup de tristesse, beaucoup de choses peut-être même violentes. Hein, on parle de féminicide, que ça vient aussi de ces choses que nous n'avons pas, de ces codifications que nous n'avons pas. Et il y a des choses très très simples que nous ne savons pas. Comment fonctionne un homme, comment fonctionne une femme, même si, bon voilà, après. Mais il y a quand même déjà, il y a, je ne sais pas, 8, 10, 15 items qu'on pourrait développer, qu'on pourrait apprendre, qu'on devrait apprendre à l'école. Qui permettent d'être plus à l'aise dans une dynamique relationnelle. Ah, bon. Donc oui, ça évolue doucement. Il y a un niveau de conscience qui monte au niveau de Bosdom en Martinique. Il y a encore du chemin, bien sûr. Mais voilà, je sens moi que ça bouge. Alors après, ça dépend peut-être aussi des sociétés, des niveaux. Voilà, des niveaux socio-économique, ça joue aussi, malheureusement. Mais j'espère que ça puisse continuer à bouger. Et puis des témoignages comme on vient d'entendre sont excellents. Et puis même le parcours de Loïc aussi est intéressant. Je sais que notre ami à ma gauche va aussi donner des éléments. Il y a beaucoup de choses. Et il y a de l'espoir. Et puis tout le travail que tu fais avec l'association. Voilà, puis tout ce travail qu'on a fait ces derniers mois, bon, ça fait bouger, et puis il faut le continuer, il faut continuer ce travail. Alors moi, j'ai une autre question. Tu accompagnes quand même les femmes à accoucher à domicile, donc où l'homme a cette possibilité, à cette ouverture-là, où lui aussi il peut être présent, il y a un grand débat. Est-ce que l'accouchement, c'est la place de l'homme? Est-ce qu'il a intérêt à être là? J'ai entendu un homme parmi la première phase expérimentale qu'on avait faite, des témoins, un papa a dit, moi j'ai voulu être là cette fois-là, en tous les cas, pour laisser mon empreinte. Est-ce que c'est un rite de passage? Est-ce que c'est aussi un moyen de pouvoir être. Alors, oui, je pense qu'effectivement, le processus de réflexion, alors, que ce soit d'être présent à la naissance de son enfant, c'est quelque chose qui. Ouais, c'est un processus dans lequel certains hommes ne s'y voient pas du tout. Et puis, ils ont l'espace pour être écoutés, entendus, conseiller, faire le tri, comme je dis souvent, de nos croyances. En fait, nos croyances sont terribles. Elles nous empêchent tellement de capter des choses. Et il faut savoir que les croyances, c'est quelque chose que nous a raconté, qu'on se raconte. Et quand on prend le temps de décortiquer, très souvent, ça s'écroule. 9 fois sur 10, nos croyances n'ont pas beaucoup d'intérêt. Mais par contre, on peut accéder à des choses beaucoup plus puissantes, beaucoup plus intéressantes dans des vrais fonctionnements. Donc, par exemple, sur la naissance, voilà, casser des codes du sang, casser des codes ben non, un homme n'a rien à faire là. Alors, je ne revendique pas absolument la présence de l'homme de façon vie au corps, mais je pense que si il comprend ce qu'il peut faire, et peut-être qu'effectivement la naissance à domicile
apporte cette plus grande présence, cette plus grande voilà, parce qu'il peut pas, voilà, on lui dit, il a plein de place, il a plein de choses à faire, plein. En fait, non, il n'a pas grand chose à faire, mais il a besoin d'être là auprès de sa compagne. Ça va les obliger tout au long du processus déjà à réfléchir. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que tu veux, comment on se place, comment. Donc voilà, ça a fait grandir. Maintenant, même à la clinique ou à l'hôpital, cette réflexion peut être menée. Mais il est certain que quand on met les pieds à l'hôpital ou à la clinique, déjà on a tendance à dire bon, toi t'es là, tu bouges pas trop là. Et puis, donc s'ils veulent pas prendre leur place, c'est compliqué. Mais oui, après, tous ceux que j'ai pu voir s'impliquer, parce que généralement ils s'impliquent fort dans cette naissance à domicile, ça donne des choses très puissantes. Ils se sentent dans une dynamique différente, beaucoup de fierté d'eux-mêmes, beaucoup de fierté pour leur femme. Alors ça, on le retrouve à chaque fois que les hommes sont présents à la naissance, on entend des discours fabuleux, hein, on entend « Waouh, j'avais jamais imaginé qu'une femme était aussi puissante que ça ». Donc dans la présence, ils accèdent à quelque chose qu'ils n'avaient pas forcément imaginé auparavant. Après, c'est ça, je reprends mon mot de processus, un mot que j'aime beaucoup, c'est le fait voilà, de cheminer, de réfléchir, d'oser se poser des questions, oser poser des questions, et puis avoir des professionnels qui peuvent accueillir tout cela, parce que c'est pas non plus évident, on n'est pas forcément formé, tu le sais, à cette écoute active, à cette écoute empathique, avec beaucoup de bienveillance dans le récit, sans jugement, toutes ces choses-là. C'est des choses qu'on n'apprend pas hein, à l'école, on a malheureusement. Donc c'est des choses que nous-mêmes, en tant que professionnels, on a besoin de développer en se formant nous-mêmes à des choses autres que ce que nos métiers de base. Donc ça rend les choses pas toujours faciles ni pour les professionnels, du coup, ni pour les hommes, les papas à venir. Mais ça bouge, Inès est là. J'ai fait un travail depuis pas mal d'années, je le continue sans aucune, en toute humilité, parce que c'est vrai qu'on met un petit peu en avant, j'ai la chance d'être le premier homme, donc sage-femme, donc du coup, voilà, puis j'ai eu cette petite chance aussi d'avoir accès à des choses que je ne savais pas qui existaient très tôt dans ma pratique, et du coup ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et je tente de transmettre ce que je peux, ce que je, voilà, encore une fois, en toute humilité, mais avec beaucoup d'amour en tout cas. Alors, le monsieur qui est juste à côté de toi, lui, a fait ce choix d'accompagner la naissance de ses... Toi, en tant que professionnel, là, tu parles en tant que professionnel, tu accompagnes, mais là, toi-même, tu as fait le choix d'être présent à la naissance de tes enfants. D'où t'es venu? Alors, il y a l'aspect sage-femme, mais il y a l'aspect homme en devenir père. Ouais. Le processus de... C'est vrai que donc, nous avons fait 4 enfants avec cette même femme. Les 4 sont nés donc de nos mains, de mes mains, de nos mains, on va dire, parce que c'était pas juste mes mains. C'est comme si c'était comme une évidence. Je m'amuse des fois en le disant, voilà, c'est un produit pile, hein, un produit d'industrie locale. Donc voilà, tu distribues, tu conserves, tu fabriques, voilà. Mais dans l'idée, ça me semblait comme, même si la première naissance n'était pas officiellement organisée comme un domicile, on y avait pensé, mais voilà, puis au dernier moment, elle n'a pas voulu partir à la clinique. Et du coup, on est resté à la maison et c'est vrai que je suis très heureux, très fier d'avoir pu faire cela. Et la question, c'était donc
Tu as fait ce choix. Alors, tu l'as fait ce choix la première fois où ça y est, tu as vécu la naissance à domicile. Oui. Est-ce que ça t'a permis, on n'est pas dans l'aspect professionnel, en tant qu'homme, devenir père, accueillir un enfant. Accueillir un enfant, mais pour les quatre, ça a été différent, parce qu'on n'est pas dans la même histoire, pas le même concept, pas le même enfant. Mais en même temps, c'est toujours. Une fois qu'on en a. Enfin, une fois qu'on a fait notre aînée fille, Marion. Tu comprends quelque chose. Après, c'est comme si. Mais non, mais même pas en rêve, je vais à la clinique, quoi. Ou à l'hôpital, enfin voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est. En tout cas, pour moi, c'est. Il y a deux images. Il y a l'image professionnelle de dire. Non, mais ça me rappelle le boulot d'aller à la clinique. Oui, bah oui, du coup, si je vais à la clinique, je vais au boulot, mais au boulot, mais je suis dans quelle position? Alors que quand je suis à la maison, certes, je reste quand même le professionnel, mais en même temps, j'accompagne et je suis sûr de ce qui va se passer parce que je suis aux commandes, entre guillemets, en tout cas. Ouais. Il se passe quoi quand tu l'accueilles, ton enfant? C'était toujours la sage-femme ou c'est l'homme? C'est vrai que ça a toujours été. Mélangé. Je sais plus où était la frontière exacte. C'est-à-dire que j'avais toujours cet œil quand même professionnel, faire attention à ce qui se passe. Et puis en même temps, cette émotion d'avoir ce petit goût de chou en me disant waouh, ah c'est elle. Parce qu'on savait pas, on n'a pas voulu savoir aux échographies. Donc il y avait quelque chose de l'ordre de la découverte pour les quatre. Pour les quatre enfants, j'ai jamais su avant. Donc la découverte au moment de l'arrivée de cet enfant. Mais c'est vrai, peut-être quelque chose de toujours un peu mélangé. Mais très agréable. Parce que la sécurité, j'étais une forme de sécurité pour mon enfant qui arrive et pour ma compagne. Donc quelque chose de très agréable dans ce mix entre père et professionnel. Et as-tu laissé ton empreinte comme un témoigner à des papas? Mon empreinte? Oui. Je sais pas, enfin, en tout cas, pendant tout un temps, mes enfants ont toujours été très fiers de dire qu'ils étaient nés à la maison et des mains de leur propre papa, quoi. Donc je trouve que ça, c'est quelque chose de. Je sais pas si c'est une empreinte, mais en tout cas. En tout cas, c'est quelque chose d'indélébile. On n'enlèvera jamais le fait qu'on a pu faire ce travail en tous ensemble dans un univers relativement soft et rempli d'amour et sans aucune précipitation ou dynamique médicale que je ne souhaitais de toute façon pas. Voilà. Ça, la naissance à domicile a cette puissance du respect de la nature, de la suspension du temps. C'est-à-dire que le temps n'a plus d'importance lorsqu'on est comme ça sur une histoire de domicile. La seule fois où je vais regarder ma montre, à la limite, ça va être pour regarder l'heure à laquelle cet enfant est né, parce que il y a une déclaration administrative à faire. Encore des fois, non, je ne devrais pas dire ça, mais c'est pas grave. Des fois, on triche, on s'en fout. De toute façon, il est né, et voilà. Et puis, même des fois, il peut même être bon. Bon, mais en tout cas, il y a quelque chose de magique. Et je continue à apprendre chaque jour de cette magie de. Si on respecte les lois de la nature, les choses se font de façon extraordinaire. Alors, bien entendu, il y a un peu de travail en amont, il y a des gens qui ont une conscience de ce qu'ils veulent faire, et en tant que professionnel, je suis là pour accompagner ces personnes qui ont ce désir d'aller le plus loin possible dans la naissance à domicile. C'est pas mon projet à moi, moi j'accompagne le leur. Voilà. Après, effectivement, pour la naissance de mes enfants, c'était notre projet qu'on continuait à faire grandir. Et quand Olivier te dit, c'est Olivier qui décide, je veux participer à l'accouchement de ma femme, tu réponds quoi? Bien sûr.
Je ne sais plus, il va le dire, mais j'ai jamais émis de doute sur le sur ce que les hommes ou les femmes veulent. C'est pas mon rôle de d'émettre des doutes. C'est juste éventuellement de poser des questions, les aider à donner du sens à leur envie, à leur désir, en mettant des fois des petites questions assez précises. Je me souviens d'un couple qui ont décidé vraiment très tardivement de la naissance à domicile, et je crois que c'était 3 semaines avant la date officielle, donc c'était vraiment en dernier recours, et je leur avais demandé le lundi, on se voit mercredi, mais mercredi, vous, chacun de votre côté, vous mettez 5 raisons sur, par écrit de pourquoi vous voudriez la naissance à domicile de cet enfant, et sans copier. Qui copie. Et aussi des choses positives, c'est-à-dire pas je veux pas aller à l'hôpital, c'était des choses dynamisantes sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Voilà, donc, et puis à partir de là, quand on commence à écrire ces choses-là, ça vient du fond des tripes. Généralement, quand on a réussi à en mettre 5, il y a des chances que les choses aillent jusqu'au bout. Olivier. Merci Alain, franchement merci pour votre témoignage. Olivier, tu apprends que ça y est, il y a un bébé en route. Déjà, je suppose que par rapport à qui tu es, tu t'es préparé pour le premier, j'en sais rien, si tu étais déjà un père en conscience. Et tu décides, toi, d'accueillir ton enfant et que ce soit toi qui accueille ton enfant. Est-ce que c'est aussi pour laisser ton empreinte? Pour répondre à la question, il faut que je parte de mon père. Hier, il aurait eu 80 ans. Il est né le 27 mars 1944. Et j'ai exactement 17 ans quand on le retrouve pendu au bout d'une corde. À Saint-Luc, pas loin de Fond-la-Rue. Donc, ceux qui vont faire le lien vont comprendre pourquoi on a réussi à ouvrir le littoral. Parce qu'en fait, les choses sont liées. C'est-à-dire que quand on est dans la spiritualité, dans l'ancestralité, c'est ça, c'est faire les liens entre tout. Et en fait, mon père a dû partir, travailler dans le pays de l'autre, passer concours, il a réussi, etc. Ma mère, donc, qui travaillait déjà ici, a suivi. Donc moi, je suis né en 1974 dans le pays de l'autre. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ça m'a donné, ça a construit. Moi, je ne parle pas de déconstruction parce que tout construit en fait. Dans l'ancestralité, tout est une opportunité. Et chez nous, on dit dans notre langue, il ne faut pas jamais blâmer en contrariété. Parce qu'en réalité, c'est toujours une porte ouverte. Alors, le désir de voir mes enfants naître sur la terre familiale en Martinique, parce que j'étais fâché contre ma propre naissance, puisque j'étais né dans le pays de l'autre. J'avais du mal même à l'admettre et à l'assumer. Parce que je suis revenu ici, j'avais 6 ans, heureux comme tout, pas comme chaque enfant qui, quand il parle de... Quand il revient, il fait la gueule parce qu'il a laissé ses copains, etc. Moi, j'étais heureux parce que j'allais manger de la soupe verte, soupe d'habitants, langoustes, etc. Donc, je mettais les petits copains de l'époque à Paris, les charriers, on va dire. Alors, il faut dire aussi que j'ai une histoire particulière de santé. C'est-à-dire que lorsque je nais, lorsque je commence à marcher, j'ai des problèmes, je suis trop arqué, des problèmes. Et le médecin dit à ma mère,
ramenez-le dans votre pays, vous allez voir, il va marcher, il va se redresser. Alors ma mère se fâche. À l'époque, ma mère est inscrite dans un parti purement de droite. Et au pays, il a fait payer pour ça. Donc, ma mère dit, mais je suis française. Mais finalement, il me ramène ici en vacances. 10 jours après, problème réglé. 10 jours après, problème réglé, je marche normalement, tranquillement. Parce que, en fait, il faut comprendre l'histoire qui fait que vous n'êtes pas seulement un père. La vie vous guide. Et vous devenez un guide. La vie vous construit à être un guide, à avoir votre mission de vie, tout simplement. Et à sortir de toute forme de prison. Ce que on peut appeler des croyances, mais ce sont des prisons en fait. En spiritualité, il n'y a pas de croyances, il y a de l'expérience à vivre. Bon. Alors, c'est vrai que sur le parcours, donc j'avais une farouche envie de tout faire en Martinique, rien à voir à faire avec la France. Parce que j'ai entendu mon père pendant des années souffrir, avoir l'envie de revenir, souffrir de cet éloignement avec son pays, avec ses parents, avec sa terre natale, là où ses parents faisaient de la canne à sucre, de la farine à manioc, de farine de manioc, bref, avec un grand-père qui faisait 300 fosses d'igname sur une petite surface. Et en face, il y avait évidemment le béquille. Donc, vous imaginez le combat. Mais ça a forgé, il était fier de sa vie. Donc, en fait, au cours d'activités, j'allais dire, de réseau, marketing de réseau, je rencontre Alain. C'est vrai que dans le marketing de réseau, il y a beaucoup de livres sur le développement personnel, etc. Et une fois que la maman des enfants est en... Alors, chez nous, on va dire en situation. En français, on va dire enceinte. Excusez-moi, mais je suis imprégné de chez moi, d'abord. Et toujours. Et je cherche de plus en plus à entrer en connaissance de ce que nos aïeux faisaient pour accueillir un enfant et préparer un enfant. C'est aussi un autre motif. Alors, pour revenir, donc j'apprends ça. Et je commence à discuter avec la maman, qui, elle, a envie de vivre une expérience différente de ses parents, etc. Et on parle comme ça, l'accouchement dans l'eau, enfin, on en parle. Alors, quand tu dis 3 semaines, je pense qu'on a battu le record quand même. Il me semble, de mémoire, qu'on en avait parlé, mais on n'avait pas établi un protocole particulier, c'était pas établi. On a parlé. Et en fait, je reviens d'un départ à la retraite d'une collègue du travail et je pose ma main sur le ventre de la maman. Et là, il est 5 heures du matin, là le travail commence. Donc, on est chez ma mère, là où ma mère est née, là où ma grand-mère est née, côté maman, ailleurs est née, etc. Donc, on est en bas de villa, on monte à l'étage parce que ma mère a une baignoire. Et là, on fait couler l'eau tiède, elle s'assoit dans la baignoire et elle me dit « Je ne bouge plus. »
moi, je suis le plus heureux déjà. Parce que l'accouchement va se faire sur la terre familiale. Donc j'appelle Alain, je lui dis, madame a décidé qu'elle ne bouge plus. Donc lui, il monte avec mon monitoring, etc. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il me laisse tout faire. Je fais tout. Il me laisse tout faire. Tout. Là, si elle veut se tourner, si... enfin, on fait tout nous-mêmes. Il est là, il assiste, mais on fait tout nous-mêmes. Et donc, moi, je vois l'enfant qui sort les cheveux avant, etc. Je me rappelle de cette image. Je me rappelle d'avoir laissé le cordon ombilical battre jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui ne savent pas ça, mais on n'est pas à l'hôpital. On ne coupe pas, on n'est pas dans une usine. On est dans l'accueil de la vie. Et on est dans l'observation, on est dans l'expérience. Donc, si le cordon bat, c'est qu'il a sa raison, il a sa raison d'être. Donc on le laisse battre. Après, il me laisse couper le cordon. Jugez-moi qui belle l'enfant, qui l'habille, le premier. Quand on redescend, dans là où on vivait, la maman est fatiguée, je me souviens, et on dépose l'enfant dans le berceau, et l'enfant commence à pleurer. Et Alain dit à la maman, mais va lui dire que tu es fatigué, que tu as besoin de reprendre des forces, que tu vas manger, va lui dire, tu vas voir, il va s'arrêter. Elle fait ça. L'enfant arrête de pleurer. Tranquille. Alors, est-ce que ça permet de devenir père? Moi, je pense que je suis devenu père avant de naître. C'est-à-dire que la situation de mes parents a fait que automatiquement, ce que j'ai pu entendre pendant la grossesse de ma mère, ça, c'est un élément qui me semble important. Parce que nous, on l'a fait en préparation. C'est-à-dire, parler à l'enfant. Dire à l'enfant comment on veut qu'il soit. Aller chercher s'il y a eu des blocages, notamment pour l'allaitement. Que ça soit du côté de la maman et que ce soit du côté du père. Bien souvent, on fait du côté de la maman, mais on ne fait pas du côté du père. Or, des fois, le blocage de l'allaitement de la maman sera lié au père. Pourquoi? À partir du moment où vous avez des relations sexuelles, vous avez mélangé deux histoires. Vous avez fait deux histoires se rencontrer, vous avez fait deux généalogies se rencontrer, vous avez fait deux ancestralités se rencontrer. On est comme l'eau. Hein? L'eau a la mémoire du monde depuis l'origine. Or, l'eau, nous sommes composés de 70% d'eau, donc automatiquement, nous avons la mémoire depuis l'origine de tout. Donc, quand deux êtres se rencontrent dans leur intimité, donc ils rentrent en intimité, donc en profondeur, tout est mis à nu, pas seulement les corps, mais les histoires, les âmes, les esprits. Et donc, c'est un emboîtement très profond, beaucoup moins superficiel que la société dite moderne ne laisse penser. C'est pas une récréation, c'est une création. D'où l'engendrement d'un enfant. Donc moi, je suis devenu père, je pense, avant. Et je pense que le parcours de mes parents a construit le père que je suis. Et puis, c'est toujours une construction. Parce qu'en fait, je n'ai pas fini d'apprendre à être père. Tous les jours, je suis dans... Il y a des situations nouvelles. L'enfant, quand il est petit, on n'est pas père de la même manière que lorsqu'il a 10 ans, lorsqu'il a 15 ans, lorsqu'il a 20 ans. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre. Là où je rejoins Alain, je veux dire que dans les sociétés
auquel je fais référence, auquel je me réfère, on apprenait un minimum de ce que c'est qu'un homme, de ce que c'est qu'un père, de ce que c'est qu'une fille, de ce que c'est qu'une femme, de ce que c'est qu'une mère. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on apprend un métier, on apprend à être employé, on apprend à être directeur, on apprend, enfin bref, on est axé sur la vie professionnelle, et même des parents, des fois, ne racontent pas leurs histoires, il n'y a pas d'échange sur leurs émotions, leurs sentiments, comment ils étaient lorsque on est né, lorsqu'on est arrivé, ou lorsqu'on a été conçu. Même l'acte de conception, c'est des sujets des fois tabous, mais qui ne devraient pas. Dans quel état d'esprit étaient les deux parents? Ils ont tout dans un zouk, ou bien dans une conférence, à la messe, au temple, enfin bref. Les circonstances de la rencontre, les circonstances de l'intimité, vous disent déjà beaucoup de choses. Donc en fait, parce que tout est une parole, tout acte est une parole, et toute parole est un acte. Il n'y a pas de séparation chez nous. C'est pour ça qu'on disait que la parole de l'homme vaut l'homme. On est dans une société où on dit que c'est l'écrit. Comme si votre parole n'a plus de... Mais excusez-moi, hein, je dis ça. Si j'écris à une dame, je t'aime, ça a c'est une énergie. Si je lui dis en face, je t'aime, me semble que ça a une autre énergie. Donc, je veux bien pour l'écrit, mais la puissance de la parole, l'un pour qu'Azaïa madame, il va Azaïa voir l'écrit. Il est typé, mais ça n'a pas la même... Même lorsqu'ils sont sur des sites de rencontre, au bout d'un moment, il faut qu'ils s'en rencontrent. Bon. Donc, quand je parle de rencontre, c'est ça aussi être père. C'est être à la rencontre de soi à travers l'enfant. C'est être à la rencontre de soi à travers l'enfant. Et au-delà de ça, devenir même... un compagnon, c'est être à la rencontre de soi à travers la femme. Et pareil pour la femme. Elle va être à la rencontre d'abord d'elle-même. Moi, je me souviens que, au fur et à mesure des relations que j'ai eues, parce que bon, pour se construire, des fois, on a chacun un parcours. Il n'y a pas de jugement à porter, contrairement à ce que beaucoup font. On s'amuse à juger le parcours des uns ou des autres, il n'y en a pas. Il n'y a pas de jugement à porter. Tout est un enrichissement. Et je me souviens d'une femme qui m'a dit, le jour où tu vas pouvoir répondre à cette question, tu vas trouver la femme qui te convient. Est-ce que tu es capable de dire quelle est la femme qui est en toi? C'est-à-dire, quelle est la part de féminité qui est en toi? Si tu sais répondre à cette question, ça, on ne nous apprend pas ça. Ça, je pense qu'on pourrait l'apprendre très tôt. Ça éviterait beaucoup de choses. Parce que moi, je pense que les générations comme la nôtre, on doit pouvoir justement pouvoir transmettre ce qu'on n'a pas eu. Parce que il faut comprendre que la colonisation, le monde de la matérialisation, a un peu coupé toute cette transmission qui se faisait. Parce qu'en fait, c'était plus la peine. Ce qui était important, c'est que mon fils travaille, ma fille travaille, qu'il ait un toit, terminé. Et puis après, on s'est rendu compte que les parents se sont rendus compte, mais celui-là divorce, celui-là est dépressif, celui-là, etc. Parce que finalement, on ne nous a pas appris à être des êtres humains, tout simplement. On nous apprend à être je me permets le mot, des esclaves au service d'un système. Donc, on vous dit à quelle heure vous levez, quel mois prendre vos vacances, parce que on critique beaucoup la partie ancestrale qui fait des rituels, parce que nous faisons nos rituels, mais on vous a mis dans un rituel, levez le matin, vous brossez les dents, prendre le petit déjeuner à telle heure, à midi il faut manger, coupure, etc. Le soir il faut faire ça, là il faut repasser, là il faut faire ci. Les gens sont dans des rituels sans s'en rendre compte, mais des rituels qu'on leur a imposés. Et puis, dans mon devenir père,
Il y a une autre rencontre, c'est la rencontre avec mon histoire. C'est-à-dire, alors j'ai bien aimé le témoignage de Louis, parce que, évidemment, quand vous lisez Cheikhanta Diop, quand vous lisez Fanon, quand vous lisez, Thomas, Césaire, et puis plus récemment, vous lisez Nusirika Lamutunde, vous lisez des choses comme ça, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas seulement un être humain, vous êtes un être spirituel. Alors, et je vais conclure mon témoignage sur ça, à partir du moment que j'ai aussi rencontré la signification du mot « moun », moi c'est un « moun », c'est-à-dire que je suis un être sacré, connecté au visible et à l'invisible. Ça change parce que vous avez la responsabilité de transmettre ça. Vous avez la responsabilité de transmettre le sacré de toute forme de vie. C'est-à-dire, demain, j'irai faire jardiner sur la terre de mon grand-père. Donc, comment je respecte cette terre? Qu'est-ce que j'en fais? La terre nourricière, qui est en analogie, en miroir de la femme, l'initiation à devenir un homme et un père, c'était aussi pouvoir être capable de bien traiter cette terre, de comprendre ce qu'elle est capable d'apporter, de comprendre le sens des médicinales, le sens de tel arbre. Parce que il faut être capable de préparer le nid. On veut, même si le papa ne veut pas être là à l'accouchement, mais préparer le nid. Son rôle de sécurité, tu as parlé de sécurité. Ben oui. C'est quoi les premières responsabilités d'un homme? Qu'est-ce qu'une femme va dire? Pourquoi elle se met? Si par exemple on voit que les jeunes filles au lycée se mettent avec ce qu'on appelle bad boys, mais c'est parce que les bad boys les sécurisent. C'est pas le gars aux lunettes intellectuelles qui va les sécuriser. Bon, non mais... Alors après, lorsqu'elles ont 30 ans, évidemment, ce n'est pas le bad boy qui les sécurise, c'est le gars aux lunettes intellectuelles qui les sécurise parce que peut-être qu'il a un meilleur revenu, etc., etc. Donc, c'est toujours une question de sécurité. Oui. Donc, en réalité, nous avons ce rôle. Être le père, c'est être celui qui sécurise, qui crée le cadre. Vous voyez, c'est le lion qui protège son territoire pour que la lionne soit tranquille avec ses petits. D'ailleurs, dans beaucoup de spiritualité, on parle de queen, de king, bon, de roi, reine, etc. Alors, donc, ce que je suis en train de dire, c'est que il faut élever nos enfants dans le sens qu'ils sont des rois et des reines et qu'ils ont la puissance du sacré de la vie en eux et donc cette puissance-là à transmettre. Voilà, je pourrais en dire beaucoup, mais voilà, je voulais... Et puis, je vous dis franchement, je n'avais pas pensé à ça, mais c'est tout à l'heure, je me suis dit, tiens, mon cœur est né hier. Donc, il n'y a pas d'hasard, il n'y a jamais d'hasard. Voilà. Alors, merci pour vos 4 témoignages, mais wow, vous êtes tellement beaux, là. C'est magnifique. Alors, ce soir, c'est Papa et alors. Alors, pourquoi j'ai commencé par ce thème-là? Parce que le fait d'avoir discuté avec différents hommes, il y a des hommes qui me disent « Ouais, enfin, ok, il y a un espace pour nous. » Et puis, il y en a d'autres qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas chercher là? C'est quoi pourquoi tu vas aller aussi loin, aussi profond? Est-ce qu'on a besoin de vivre ça? Moi, j'ai pas forcément envie de parler de ça. Pourquoi est-ce que tu veux nous mettre à nu? » C'est les femmes qui font ça. Et j'ai ma réponse, mais vous, quand ces hommes, quand ils disent, mais papa, y a alors, et puis qui ça? Vous répondez quoi, vous? Et puis, vous, là aussi, vous êtes ici pour pouvoir participer. Si vous avez des questions, allez-y.
nous, on ne nous a pas. C'est peut-être notre éducation, aussi l'environnement dans lequel on évolue. On ne nous a pas appris à être hyper vulnérables et exprimer un petit peu ce qu'on ressent. Et moi, je discute avec pas mal de jeunes pères, de quelle que soit la génération, quel que soit le milieu. Et il y a quand même, aujourd'hui, cette volonté quand même de dire les choses plus facilement, de dire vraiment ce qu'on ressent et d'assumer cette part de faiblesse que la société rejetait parce que nous, on nous a appris qu'un homme ne doit pas pleurer, ne doit pas avoir d'enfants. Et même dans la relation de couple, on a quand même cette relation avec cette femme où elle attend de nous aussi qu'on soit fort. Et être fort, ce n'est pas forcément ne pas pleurer, ne pas dire ce qu'on ressent. C'est plutôt assumer son rôle et être présent. Et on ne nous a pas appris ça. Et aujourd'hui, les mentalités évoluent. Il y a des hommes qui ont envie de s'exprimer. Je pense que c'est important de le dire. Moi, quand je regarde mes relations, quand elles n'ont pas fonctionné, c'est parce qu'il n'y a pas de communication. Je n'ai pas dit ce que je pensais au moment parce que je pensais que j'avais peur de ce que commence à être interprété. Et c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à se dire les choses, à accepter cette part de vulnérabilité chez nous. Et se dire que ça fait aussi partie de nous et que c'est ce qui va nous permettre d'être compris par rapport au sexe opposé. Voilà. Papa est à l'heure, en fin de compte, le père a tout son processus. C'est-à-dire que si je prends un exemple, par exemple, le père qui avait... J'ai eu mon premier enfant à 17 ans et demi, et la réflexion que j'ai n'est pas la même que maintenant. Et en fin de compte, le rôle de père n'est pas... indissociable à la vie. C'est lié. C'est-à-dire que dans le père, on se voit enfant. C'est pour cela que je ne peux pas me permettre de juger aucune société. Et que je respecte ce que dit Olivier lorsqu'il parle d'ancestralité. Parce qu'en fait, lorsqu'on regarde le comportement qu'on avait d'un père, d'antan, par exemple, mon père, il y avait une réalité qui était dure. Et qu'on ne pouvait... On ne peut pas, maintenant on peut se permettre de le juger. Mais lui, dans son temps, il avait un système, il avait une réalité qui l'imposait. Donc le père, et alors, je ne sais pas, moi, j'ai ma fille ici présente, Angela. Quand je l'emmenais quand j'allais à la crèche, j'étais pratiquement le seul à aller à la crèche. Et j'allais, moi-même, je me demandais pourquoi j'étais à la crèche. Je voyais que j'étais à la crèche, il n'y avait pas d'autre père. Et pourtant, j'estime que j'ai un petit côté. Peut-être involontaire, macho. Mais de même que je peux avoir un comportement macho qui est irréfléchi, simplement parce que la société ou le système me l'a imposé. Et c'est cela qui est intéressant, parce que plus le pleureur grandit, et même en vieillissant, le père s'en rend compte que l'expérience qu'on a en tant que père, c'est très intéressant parce que tu n'es pas seulement père, en fin de compte. Tu es homme, surtout. Et il y a tout un processus. Père et à l'homme. Père, il le faut, je dirais. Le père a une autre expérience, parce que le père a une responsabilité. Et donc le père, même s'il a des velléités, même s'il a des conceptions, mais il va s'en rendre compte que l'enfant qu'il a, et moi je peux faire la différence, j'ai eu 4 enfants, 2 d'abord, 2 ensuite, et on verra que chaque enfant est spécifique. Et l'homme, la réflexion qu'a un homme à 17 ans, c'est pas le même qu'un homme qui a 65 ans. Il y a tout un processus, sauf si cet homme c'est un imbécile ou s'il n'a pas de réflexion. Mais que vous le vouliez ou pas, lorsque vous avez un enfant de la maison, vous allez voir qu'un enfant, tel enfant est actif, tel enfant est comment dirais-je, un autre comportement, et quelquefois vous allez porter un jugement, mais si vous portez une réflexion, vous allez comprendre les spécificités. Et ce qui est intéressant justement, c'est que ce père s'enrichit et ça lui donne un comportement. Ce que je veux dire par là, par exemple, le comportement que j'ai eu peut-être, qui était un peu, beaucoup, peut-être, entre guillemets, beaucoup plus machiavélique, quand j'avais machiavélique ou un peu plus dictateur quand j'avais 18 ans, n'est pas le même quand tu as 40 ans et autres, parce qu'il y a une société qui bouge, qui augmente, et c'est, ça c'est dans tous les domaines.
Et donc, le père, c'est moi, et pour moi, pour répondre à ta question, pour ne pas être trop long, c'est un plus. C'est aussi un homme, mais c'est le père, c'est un plus, parce que le père, c'est pas une réflexion sur soi-même. Et il y a un grand philosophe, Karl Maradaya, qui disait que lorsqu'on fait des enfants, on devient faible. Il y a une part de vérité, on devient faible. Parce que lorsque je suis seul, j'ai une certaine puissance, d'après ce qu'il dit dans sa philosophie. J'ai une puissance d'homme. Mais lorsque je fais des enfants, mes quatre enfants, ce sont quatre représentants de moi-même. Donc, je deviens faible, mais en même temps, c'est quatre représentations de moi-même avec une nature bien spécifique. Et je dois avoir un comportement approprié, une éducation appropriée pour que cet enfant, pour que ces enfants soient en lumière. Je ne vais pas parler trop parce que... Alors, la question c'est papa et alors et c'est marrant parce qu'à chaque fois on passe du papa au père. Donc j'aime bien refaire ma petite définition. Alors après, vous serez d'accord ou pas, mais il y a quand même une différence. Je rajouterais même homme, géniteur, papa, père. Donc voilà, géniteur, il y a voilà, y a souvent des géniteurs. Et puis pour devenir un papa, en tout cas moi ma définition c'est il faut que je crée une relation avec ce bébé dans le ventre. Cet enfant, ce bébé une fois qu'il est dehors, ce bébé qui va grandir, cet enfant, cet adolescent, cet adulte aussi, mais c'est la qualité de la relation qui va nous faire être père. Et c'est important, je trouve, d'avoir cette définition parce que très souvent, notamment dans les problèmes de séparation, des choses comme ça, il y a des séparations pendant la grossesse. Et souvent, j'entends des femmes dire « oui, mais avec le père ». Je dis « mais quel père ?»« Quel père ?» Il n'y a pas de relation, donc il n'y a pas de père. Il y a un géniteur. Ah, bon, donc là, ça fait réfléchir. Donc, géniteur, papa, père, ça peut être des fois trois personnes différentes. Oui, on peut avoir quelqu'un qui va faire une fonction paternante, en étant un papa qui va être plutôt... Alors, je vois papa, moi, plutôt comme la partie câline, la partie jouée, la partie douce de cette fonction. Moi, voilà, la fonction, c'est pas très glamour, mais en même temps, des fois, il faut mettre un petit peu des choses. Et puis, le père va plutôt être celui qui va donner le cadre, qui va donner... la partie spirituelle, c'est un peu comme ça moi que je vois. Alors il y a des auteurs qui ont écrit là-dessus. Et donc du coup par rapport à la question papa et alors, j'ai envie de dire à développer, continuons à le développer, continuons à y réfléchir, en sachant que il n'y a pas de réponse toute faite. C'est quelque chose de toute façon, comme tu l'as très bien dit. Je ne sais plus qui l'a dit, ça bouge, on est dans une société qui bouge, on est dans une société aujourd'hui d'ailleurs qui parfois est un peu affolante où on ne peut plus rien dire des fois sur certains thèmes sans être taxé de ceci ou de cela, et c'est quelque chose qui est assez terrible. Bon, on a les réseaux sociaux qui font que ça bouge plus vite. C'est vrai que si on avait eu les réseaux sociaux il y a 30 ans... on aurait pu accélérer certains processus de formation. Voilà. En tout cas, moi je reste quand même dans un bel espoir, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a encore beaucoup de travail, il y a beaucoup de formation, il y a beaucoup de transmission. Toutes ces choses-là sont là. Donc, papa et alors, oui, continuons à travailler le sujet tous ensemble, en équipe. Et en équipe, comme on disait tout à l'heure, hein, moi je trouve très très bien qu'il y ait des cercles d'hommes, je trouve très bien qu'il y ait des cercles de femmes, parce qu'il y a des choses symboliques et des choses puissantes aussi qu'on peut développer dans les cercles de femmes ou dans les cercles d'hommes. Et puis de plus en plus on va commencer, en tout cas je l'espère, peut-être à travers là, ce qu'on fait ce soir, même si on a dit papa et alors, mais c'est comment permettre que nous nous rencontrions tous ensemble
en posant des bases, des valeurs, des choses qui vont nous permettre de nous rencontrer et d'avancer plus loin. Pendant que tu faisais ton avant-dernière phrase, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais dire. Mais j'ai envie de dire, papa, yalo, merci. Il y a quelque chose qui... peut-être que moi, je n'avais pas fait la séparation, finalement, entre géniteur, papa, amant, mari, frère. Parce que c'est comme si, en fait, je me démembre et que je dis que, bon, mais il y a le bras droit, il y a le bras gauche, mais ce n'est pas le même corps, bon, la tête... Parce qu'en fait, on est dans une société qui sépare tout, qui divise tout. Comme moi je me réfère toujours à l'ancestralité, c'est au contraire une société qui unit tout, qui rassemble tout. Dans un même corps, vous avez système lymphatique, système sanguin, système nerveux. C'est une vision que j'appelle une vision holistique, c'est-à-dire où tout est lié. C'est un petit peu différent que la vision systémique où on traite un système en pensant que ça n'a pas d'influence. Et c'est un petit peu comme ça que je pense qu'on a créé des culpabilités, on a créé si tu n'es pas dans tel cadre, si tu n'es pas dans tel système, si tu n'es pas dans tel système de pensée, système d'habillement, système social, système professionnel, bon ben... Je n'aurais pas fait d'enfant, par exemple. Comment, je sais pas, un récent sondage disait que des gens se disent, mais je vais faire des enfants, mais pour les mettre dans quoi? Mais moi, j'ai une réponse. Papa est la vie. Papa est alors, c'est la vie. C'est-à-dire, vous les mettez dans la vie. Et il faut... C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous n'êtes pas content de votre vie. Vous n'êtes pas content d'être sur terre. Quelles que soient les conditions, j'ai eu à dire il y a quelques années, je crois que c'était en 2017, que la mort de mon père était un cadeau. Et alors, les journalistes à l'époque ont regardé ébahi, etc. Mais comment on peut dire que la mort est un cadeau? Et ça m'a permis, j'étais obligé de prendre mes responsabilités à 17 ans. Je dis, quand un événement arrive, c'est pour vous permettre justement d'entrer plus en profondeur de votre responsabilité, de votre mission sur Terre. Pourquoi fuir l'arrivée d'un enfant? Pourquoi fuir la responsabilité? Pourquoi fuir la communication? Pourquoi fuir? Parce qu'en fait, on nous apprend que tout est consommable, tout est à une obsolescence. C'est-à-dire que même notre relation, même tout de nous, c'est interchangeable, téléable pour nous agiter. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on peut. On est dans un monde de consommation. C'est vrai que nous œuvrons, nous, pour que chacun sorte de ça et retrouve le fait qu'il est d'abord un acteur, qu'il est un créateur. Qu'il est un créateur. On revient à la notion de père. Créateur. Donc en fait, moi j'ai envie de dire papa est alors créateur. Ok, on va dire ça. Alors, je rebondis. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça, tiens. Mais je rebondis sur pourquoi fuir la réalité. Alors, tu vas me dire que c'est une réflexion occidentale, pas ancestrale. Mais de ce que nous avons compris, c'est pour ça que nous sommes remontés au schéma répétitif, à la lignée. En fait, on a constaté que certains hommes, femmes aussi, hein, mais comme on est sur le père, tant qu'à faire, on y va, certains hommes, en fait, réalisent qu'ils ont des traumas et que quand on leur... Mais je sais, tu vas me répondre. Dans l'ancestralité, il n'y a pas de trauma, c'est une expérience. Ça, on doit l'apprendre.
On doit apprendre aux hommes que si tu as vécu ce trauma, que tu appelles trauma, que l'Occident appelle trauma, moi je t'invite à changer ton mot trauma en une expérience qui t'amène à grandir. Tu es sorti de cette expérience comment? Sauf que Olivier, personne ne va apprendre nous ça. Ça nous apprend, c'est, eh ben, on va me donner des coups. J'ai été traumatisée. Mon père était absent. Donc, mon père absent, je n'ai eu que ma mère comme modèle. Et là, j'ai peur de faire pareil avec mon enfant. Schéma répétitif. Alors, ce qu'il y a de bien avec l'ancestralité, c'est qu'on est tous des scientifiques en puissance, c'est-à-dire qu'on observe. Vous imaginez qu'un jour, le soleil se dise, « Bon, je ne me lève pas demain, parce que hier, vous n'avez pas su quoi faire de moi. Je me suis levé pour un but bien précis. Comme vous n'avez rien foutu, demain, je ne me lève pas. » La pluie fait la même chose. Le vent fait la même chose. Et la terre, qu'on n'a pas travaillé, vous avez un morceau de terrain là, vous ne faites rien avec, la terre se dit, je pars. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on parle de cycle répétitif, voici un cycle répétitif. Quel que soit ce qui se passe, le soleil se lève. Et la fameuse phrase, hein? Le soleil brille toujours au-dessus du nuage. Bon, on l'a appris ensemble. Bon. Alors, ce que je suis en train de dire, on est en train de vouloir se concentrer sur le fait qu'à un moment donné, une circonstance qu'on aurait aimé éviter s'est passée. La circonstance s'est passée. On aurait aimé l'éviter. Un, on ne peut pas refaire l'histoire. C'est passé. C'est bien là. Maintenant, on peut en faire soit une force, célèbre phrase encore, soit j'utilise les expériences comme un tremplin, ou soit je suis dedans comme dans un hamac, et puis je dors, je nage dedans, je me retourne dedans, et en fait, ça me sert même d'excuse pour ne rien foutre. Parce que, comme j'ai vécu ça, tu comprends. Donc, je peux boire, je peux fumer, je peux foutre un bordel. Pas possible, parce qu'il y a tel événement qui m'est arrivé. Ah ouais. Et puis, on nourrit ça. Et puis, excuse-moi, on m'en prend la culture du divan. Alors, on raconte son truc, on est couché là, et pendant je ne sais pas combien d'années. Bon, enfin bon. Excuse-moi, mais tu m'as demandé mon avis. Je donne mon avis, tout le monde ne va pas être d'accord, hein. Je me souviens qu'il y a un monsieur qui avait commencé à discuter avec moi, qui a fait justement, partie de la génération qui m'a endormi des hommes, endormi en dalou, donc cette génération-là. Et il m'a raconté tous ses traumatismes. Et à un moment donné, je lui dis, il m'a envoyé des anciens journaux des années 60 pour que je... Ouais, très vite. Et puis au bout d'un moment, je lui dis... Mais maintenant là, je suis prêt à te faire parler pour que tu témoignes de l'enrichissement que ça a été. Il a disparu. Ça dit qu'en fait, pourquoi? Parce qu'il prend des médicaments de ceci. En fait, j'étais en train de lui. Il allait guérir. Parce qu'en fait, ce qui est fort dans la vie, c'est ce que lui fait. Son expérience, lui, c'est là, et le transmet. Nous sommes en train de faire ça ce soir. À quel moment on apprend à nos enfants, moi j'ai dit ça à mes enfants la semaine dernière, vous allez avoir des expériences pas toujours agréables, mais ça va vous forger. L'une des expériences, c'est d'avoir un papa tel que vous avez là. C'est déjà ça sera, c'est problématique. Il y a des portes qui vont se fermer, qui seront déjà fermées, et c'est peut-être une très bonne chance pour que vous ouvriez d'autres portes. Voilà. Donc c'est tout. Parce qu'à un moment donné, vous imaginez la pression. Ma maman va regarder cette émission-là certainement. Quelqu'un va lui envoyer. Donc, ma maman dit tous les jours, comment on va avoir ça, Ichou?
Et ça leur a amené, parce qu'on est dans un système qui vous met la pression pour ne pas que vous soyez ce que vous êtes. Il faut paraître autre chose pour que le système vous dise bravo. Et permettez-moi d'avoir une pensée ce soir pour un père et un grand-père. Hervé Pintou. C'est un père, c'est un grand-père. Et quel est le sens de son combat? C'est de respecter l'héritage d'un père. Son arrière-arrière-grand-père. Et vous savez quoi? Vous avez une société qui veut vous voler cette paternité. Parce que la paternité ne s'exprime pas seulement dans un rapport à l'enfant, mais dans un rapport à la vie. Dans un rapport à la vie. Et bien vous voyez ça? Ça c'est sacré. Et tous ceux qui attaquent ça par toute espèce de moyen sont dans le sacrilège. Alors, ça par contre c'est acté pour nous. Hein? C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement sur un fauteuil avec sa maison, son chien et sa clôture. Le rôle de père, c'est de faire de ses enfants des guerriers de lumière. Des guerriers de lumière. Ça veut dire quoi? La lumière se trouve dans la vérité, dans la justice, dans l'harmonie et dans la rectitude. Il y a 3 mois, un papa a fait une vidéo avec nous parce que sa fille a été tapée par un professeur. Et il y a eu une équimose à la tête et le papa a été se plaindre. Depuis ça, le système a emmerdé la mère qui est enseignante. Le papa a joué son rôle. Vous savez ce que le papa m'a dit? Le papa m'a dit, voici les valeurs que je veux que mes enfants gardent. 1. Je suis là. 2. Je suis dans leur sécurité. 3. Je veux que ça soit l'amour d'eux-mêmes. Qu'ils gardent comme souvenir que j'ai transmis. Parce que papa, mais le système casse le papa. C'est-à-dire que quand on nous dit pourquoi on a des problèmes pour être papa, mais on a des problèmes pour être papa, parce qu'on vous enlève, on vous émascule. Ah oui, vous avez un système aujourd'hui qui vous dit que si vous êtes trop droit, trop dans la rectitude, trop dans la vérité, on vous écrase. Je reviens là à l'esclavage. Quand on enlevait la femme du lit du mari parce que le soi-disant maître veut avoir une relation ou veut faire à s'accoupler avec un autre homme parce que ça, bref, pour avoir d'autres esclaves, etc. Vous imaginez bien que ça s'est passé. C'est moi, je dis, ça s'est passé. C'est là. Il ne s'agit pas de nager dedans. Il s'agit de comprendre le processus. Et il s'agit aujourd'hui de savoir que c'est une force pour nous. C'est une force pour nous pour construire une autre société. C'est-à-dire que nous avons vécu, c'est quoi? L'émasculation, l'humiliation, etc. C'est pour que nous sachions ce qui est beau. Je veux vous dire, c'est parce qu'il y a des voleurs qu'on sait qu'il n'y a pas de voleurs aussi. C'est parce que on a des pieds, on sait qu'on a des mains. C'est-à-dire que tout a un sens. C'est parce qu'on sait qu'il y a le jour, qu'on sait qu'il y a la nuit. Donc en réalité, c'est à nous d'être forts, d'être puissants et de savoir que notre histoire est une richesse. Ça, c'est important. C'est dommage, il y a un autre papa dans la salle. J'ai vu qu'il a pas pris le micro tout à l'heure là. Mais ça aurait été bien. En plus, ça aurait été bien parce qu'il a une histoire aussi qui est intéressante. C'est-à-dire que, parce que c'est ça qu'il faut retransmettre. Et puis,
Là, on a des papas qui sont, entre guillemets, je passe ce mot-là, militants, mais ça veut dire qu'ils sont engagés, je préfère ça, qu'ils sont engagés. Qui sont engagés, ça veut dire qu'ils donnent aussi, qu'ils tracent aussi un chemin de ne pas avoir peur, de la confiance, de la puissance. Et je vais terminer en disant que souvent, on m'a dit de rester tranquille, de ne rien dire, avec une espérance que je me renferme dans entre quatre murs avec le chien et la couture, et puis Canal Plus. Bon. Ou bien Netflix, ou bien je ne sais pas, et choses de ce genre. Chaque fois que je défends une cause, j'approfondis ma paternité, j'approfondis mon rôle de père, et j'augmente la puissance qui m'a été donnée de la vie. Exactement ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, grâce à ce moment de pause, j'ai réalisé mon moi et en même temps la puissance de ce moi. Et tu sais, quand j'ai relu ce que tu m'as dit, Loïc, mais qu'est-ce qu'il entend par la puissance de moi? La puissance du moi, c'est ça. Ce que tu fais, je te dis, c'est la communication, l'échange qui est entre nous. C'est capital. Parce que, rappelle-moi ton prénom. Alain disait qu'on a des croyances comme ça qui tombent. Et j'aime bien aussi ce que dit Olivier lorsqu'il parle d'ancestralité. Et donc, quand tu as, par exemple, comme il t'explique comment le comportement qu'on avait avec les anciens, en fin de compte, qui étaient des géniteurs. Et je ne peux pas me permettre de les juger parce qu'ils étaient dans une réalité qui correspondait à leur fonction. Et c'est pour ça, quand tu regardes la chronologie de tout ce que je t'ai dit, après, quand tu arrives à un peu plus grand, je t'ai dit que quand je me suis retrouvé dans une crèche, j'avais récupéré ma fille, j'étais pratiquement le seul dans ce temps-là. Il y avait quelques hommes, mais déjà il y avait au moins un ou deux et moi. Et maintenant, quand je regarde, maintenant peut-être 20 ans après, je regarde les hommes, tu as des hommes qui ont leur poussette, tu as des hommes qui font la vaisselle, tu as des hommes qui accompagnent leurs femmes, tu as des hommes qui portent les enfants. Donc c'est pour ça que je te dis que la société, elle bouge, et fais ce que tu veux, tu peux être le plus péremptoire, ça va te bousculer. Quand tu regardes les enfants maintenant qui s'expriment, je les vois tout le temps à la télé, au sport, comment ils s'expriment mieux que moi. Les enfants ont une aisance. Donc que tu le veux ou pas, tu peux être machiavélique, dictateur, ce que tu veux, les enfants vont te basculer et ils vont happer leur monde. Et pour revenir à ta question, quand tu dis, eh bien, ces mêmes enfants-là vont prendre conscience de leur propre réalité, et que tu le veux, c'est un peu comme les cafards, ils vont s'adapter au monde machiavélique, au monde perfide. Et pour répondre à ta question, oui, mon moi personnel, c'est-à-dire que ce jeune garçon qui a une réflexion, c'est pour ça que je t'ai dit qu'il n'y a pas que l'écriture. Tu ne peux pas écrire sans écrire, sans réflexion et sans lecture. Et quand je prends conscience, il a parlé de Kalala, par exemple, quand je parle de Shikantajo, ben c'est le même rôle que tu vas faire. C'est-à-dire que quand, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le père qui était géniteur, c'était pas de sa faute. Mais après, il va avoir une réflexion. Quand il va avoir un père qui fait la vaisselle, un autre qui s'occupe de sa femme, un autre qui partage. Et là, que tu le veux ou pas, sauf si c'est vraiment un gars, comme je te dis, un imbécile, il va avoir une réflexion. Et dans cette société-là, il va prendre conscience de son moi. Mais l'enfant, comme je te dis, qui sera partagé entre les deux, entre le père et la mère, qui aura l'apport, qu'ils soient ensemble ou pas, mais s'il y a de l'amour qui est propulsé, s'il y a de l'amour qui est propulsé, cet enfant-là, tu feras de cet enfant-là, surtout pour cet enfant martiniquais, antillais, qui est peut-être déstructuré, qui a peut-être besoin d'accrocher à son père, tu feras une puissance. Tu feras une force qui est moi, même s'il part ailleurs, son pays, son terrain, sa force, sa culture, son moi, il va y croire.
Parce que ce qui se passe, c'est que tous ces enfants qui sont disséminés, en fin de compte, sont faibles. Et ce ne seront pas des Tarzans. Ce ne seront pas des pharaons. Mais en ayant la force, en ayant l'apport, en ayant l'échange, quand par exemple, il va voir que papa discute avec maman, et maman va dire, j'ai mal au ventre, et puis, parce qu'elle a ses règles, et puis elle dit, oh, tu as toujours mal au ventre, tu es faible. Et quand maman va lui expliquer ce que c'est, et c'est des réflexions que même moi j'ai eues, même dans des comportements un peu matures que j'avais parce que la société m'a imposé, dans ces réflexions-là, j'ai analysé, je me suis rendu compte, tu te rends compte, et c'est quelque chose qui m'a toujours frappé, de voir comme une femme a ses règles, et tu vois qu'elle est disposée, qu'elle se lève, qu'elle s'occupe de son enfant, qu'elle fait la vaisselle, qu'elle emmène l'enfant à les classes, alors qu'elle souffre, quelquefois elle se mord les lèvres. Si tu es un homme, et tu as un grain de jugeur, et que tu analyses ça, mais tu te dis, franchement, cette femme mérite son respect. Et ça va te donner un comportement. Et cet enfant-là va tomber dans ce que Fanon appelle un mimétisme. C'est-à-dire que le comportement d'amour, de réflexion, tu seras un peu comme l'androgyne, un peu comme l'hermaphrodite. Tu ne seras pas un homme, mais tu seras un tout. Et ce tout-là, lorsque tu vas véhiculer ce tout-là, eh bien, en Martinique, tu vois des enfants qui sont responsables parce que tu as une responsabilité. L'enfant ne verra pas seulement une belle voiture, il ne verra pas seulement aller frimer, être un géniteur ou être trivial, aller baiser les femmes et puis oublier qu'on est responsable. Il se dira oui, eh bien, j'ai le droit de prendre mon pied, mais j'ai le droit d'être responsable. Je peux créer un Ubuntu. Je peux créer 10 Ubuntu, je peux créer des sociétés, je peux garder ma Martinique sans sectarisme, mais elle est à moi. Et en étant responsable, je serai responsable de mon pays. Je ne vais pas aller cracher, aller salir mes plages pour que ce soit les autres qui me les balayent. Je vais nettoyer mes plages, je mettrai une structure dans mes plages, je mettrai une morale dans mon peuple, je mettrai une chronologie dans ma vie et mon peuple sera en lumière. Donc voilà un peu ce que j'appelle le moi. Et à partir du moment que j'ai eu ce moi-là, quand j'étais au milieu carcéral, en prison, et que j'ai eu des réflexions, ce moi-là m'a totalement changé. Et ce qui m'intéresse, c'est justement, c'est de faire ce que tu as. Et dans les missions que tu as, ça m'arrive de voir même mes carences. Moi qui suis en précaution, mais en ayant des échanges avec chaque père, je comprends que même si je suis en progression, mais j'ai toujours un peu des carences que j'aurais à corriger sans pitié à l'air. J'ai découvert ma paternité. Alors, d'abord, je suis assez. Je suis papa d'un enfant, d'un garçon de 25 ans. Donc, je reviens 25 ans en arrière pour raconter une histoire extraordinaire. Mais je découvre, je redécouvre en fait des éléments, des choses. J'ai l'impression de réentendre mon histoire à chaque fois. En fait, j'ai découvert ma paternité quand j'ai commencé à me redécouvrir. J'ai commencé à me redécouvrir quand j'ai eu un projet de paternité, d'avoir un enfant avec une femme. Ce projet que nous avons mis en œuvre, nous avons pu le mener à bien parce que nous avons fait une rencontre. Nous avons fait une rencontre parce qu'il y a une autre personne qui avait une vision de la femme, de l'homme, de l'enfant qui se rapprochait de notre vision. Jusque-là, j'étais persuadé que ma vision du couple, de la femme, de l'enfant, j'étais persuadé d'être le seul à avoir cette vision-là. Je fais ces corrélations-là, mais 25 ans après, ma belle-mère, elle était dans la religion.
Donc, la manière dont ancestralement nous procédions avec l'arrivée d'un enfant, à savoir enterrer le placenta sous un arbre, elle était très éloignée de ces pratiques-là. Et pourtant, le jour de la naissance de Sylvain, elle a été l'une des premières à dire « Nous allons enterrer le placenta. J'ai un arbre au pied duquel enterrer le placenta. » J'ai été très surpris de voir comment d'autres femmes qui étaient là, ce sont pourtant des personnes, je vous dis, très éloignées de pratiques ancestrales. Comment l'arrivée de l'enfant a fédéré et comment ces personnes-là se sont mises ensemble pour reprendre des pratiques qui étaient d'un autre âge, mais de manière naturelle, de manière spontanée. J'ai donc vécu cette histoire, donc j'ai l'impression d'être devenu père à ce moment-là. Et pourtant, avec le recul, je me dis, j'étais déjà un père. Parce que quand j'y pense, j'ai eu un papa. Quand je dis papa, avec toutes ses qualités, un papa joueur qui nous caressait, qui nous racontait des histoires. Je pouvais lui faire des nattes dans les cheveux. Donc, j'avais déjà, le germe était déjà planté. Et pourtant, j'ai l'impression d'avoir oublié cela, perdu cela de vue, jusqu'à ce que moi-même, j'ai un projet de paternité, le projet d'avoir un enfant. Je dis bien un projet parce que c'est une construction. C'est une construction personnelle. C'est la mise en commun de personnes pourtant si différentes, si étrangères, et pourtant réussir à se mettre ensemble et avoir ce projet-là et vouloir le mener exactement de la même manière, sans aucune divergence, se mettre d'accord jusqu'aujourd'hui, malgré le fait qu'on se soit séparés, et pourtant s'il y a une chose sur laquelle nous nous sommes toujours entendus, nous avons un enfant et nous avons toujours été d'accord sur la manière de l'élever, la manière de le faire grandir. Toujours. Et c'est ça la force. C'est ça toute la puissance. Quand on découvre qu'on est devenu un papa, pas un père. Je suis aussi devenu un papa quand j'ai découvert la communication avec un enfant bien avant sa naissance. Parce qu'à partir du moment où la conception était déjà en marche, je me suis dit, voilà, nous avons un projet commun, pourtant je suis un étranger dans ce projet-là, parce que pendant un certain nombre de temps, je n'aurai aucun contact avec cet enfant, jusqu'à ce que j'apprenne on peut communiquer avec cet enfant-là. Et là, je découvre la communication avec l'enfant avant la naissance. Toucher ce ventre bien rond, brillant, la peau bien tendue, et sentir la réponse, la vie. Mais ce qui est plus extraordinaire encore, c'est de pouvoir entrer en communication avec cet être-là. La magie. Mais une vraie communication. Parce que là, dans ce ventre, à chaque fois que je posais la main, je savais précisément que c'était le talon gauche qui venait s'appuyer contre ma main. Et des mois après la naissance, ce même talon gauche, quelle que soit la position dans laquelle je m'asseyais, c'était encore ce talon gauche qui recherchait le contact avec moi. Suis-je devenu père, papa, à ce moment-là?
peut-être que je l'étais déjà bien avant, parce qu'à l'arrivée de cet enfant, je me suis souvenu que ma grand-mère était matrone. Est-ce que je suis devenu père il y a 25 ans de ça, papa il y a 25 ans de ça, ou l'étais-je déjà bien avant? Et quand je fais la corrélation avec tous ces éléments-là, je me dis, peut-être que j'étais déjà un papa avant. Peut-être que je suis devenu un papa parce que bien avant d'être un papa moi-même, j'ai gardé 6 neveux à la maison et leur père n'était pas là du tout. Et j'ai dû jouer ce rôle de papa. Est-ce que j'étais déjà devenu père à ce moment-là? Je croyais que j'avais répondu à la question, mais je ne sais pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est une histoire extraordinaire. Oui, c'est vrai, Loïc. À l'époque où j'allais au supermarché avec Sylvain, il n'y avait pas beaucoup de papas hein, qui étaient là dans le supermarché avec aujourd'hui. Ces histoires particulières, en fait, sont notre histoire. Est-ce que nous n'étions pas déjà père depuis l'Égypte? Je crois que ce que nous découvrons aujourd'hui n'est qu'une redécouverte de ce que nous étions déjà, ce que nous avions été. Mais quelle redécouverte! Merci Anne. Wow, je vais vous faire ça. Hein? Alors, je sens que ça commence à être long. De toutes les façons, c'est pas fini. Et là, tu es encore en train de me faire moi me poser des questions, en fait. J'ai eu plein de questions quand je t'ai entendu. Ben, ceux qui ont décidé finalement de ne pas être papa. Et ceux à qui on dit bah, finalement tu vas être papa, c'est qu'en fait ils ne sont pas venus travailler ça. Peut-être que ça va apaiser le couple, ça va apaiser l'enfant de savoir que celui-là n'a pas choisi ça. Et qu'il était, comme dirait un de nos collaborateurs, il a eu la franchise de dire qu'il ne pourra pas être père. Et c'est peut-être moins. Il y a moins de conséquences que de se forcer à l'être en fait. C'est peut-être apaisant. Dans tous les cas, il y a un monsieur, on est au Cornal, qui le 3 mars nous a dit que pour répondre à la question du papa et alors, il faut déjà accepter de ne pas être parfait. Qu'est-ce qu'on vous dit, messieurs? Que c'était inutile. Parce que quand on est enceinte et puis qu'on attend des choses de vous, j'entends les dames me dire qu'il est inutile. Je suis en train de répéter ce que j'entends. Il est inutile, il me sert à rien. C'est parce que papa-là, j'avais pas imaginé ça comme papa. Vaut mieux que je vais me débrouiller seule. Et en plus, elle se débrouille pour être seule. Elle se débrouille. Elle se débrouille pour que vous soyez pas. Vous le savez pas, mais elle se débrouille. Il y a plein de mots. Ah ben c'est en cours, il m'a donné. C'est un chien à rire. J'ai entendu un bois lolo. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Et Roméo, qu'on a dit, je suis OK avec ça. Dis à la dame que tu es OK avec ça. Parce que ça me permet de partir de rien du tout à pouvoir faire de mieux en mieux. Au moins, je pourrais apprendre, grâce à cet enfant, à être le meilleur père que je pourrais être dans ma médiocrité. Par contre, ce qui est important et qu'on a demandé au père, c'est de dire, et il y a un qui a retenu ça, je n'ai pas envie. Vous êtes OK avec lui?
sais pas si... J'entends du tout... dit oui. J'aurais dit non. parce que j'ai pas envie. C'est quoi l'envie? J'ai pas envie d'un soldat, j'ai pas envie d'un cocktail, j'ai pas envie de m'habiller comme ça aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller au travail, j'ai pas envie. Et si on n'avait pas envie non plus que tu sois là? Et si on a... Parce que... Moi, je remets les choses en perspective. Hein. Combien d'entre nous ne serions pas là si c'était simplement une question d'envie? Et combien d'entre nous auraient fait des enfants si c'était simplement une question d'envie? Excusez-moi. Revenons à la vie. La vie a toujours envie. C'est pour ça que tu es là. Parce que tu peux avoir envie, tu n'arrives pas à faire. Et tu peux ne pas avoir envie et tu fais. Alors, c'est quoi le raisonnement là maintenant? Est-ce qu'on est dans son petit ego, dans son égoïsme, dans son orgueil? J'ai envie, j'ai pas envie. Et c'est dans ça qu'on veut nous mener. On veut nous mener à croire qu'on est au-dessus de la vie. J'ai envie de raser le littoral. J'ai envie de prendre ce terrain-là. J'ai envie de... Selon mes envies. J'ai deux enfants, une qui était vraiment, voilà, on voulait, puis l'autre est arrivé, c'était pas prévu. Alors, comme c'était pas prévu, j'ai quoi? Vous, je non, je pars, t'avais qu'à prendre ceci, pourquoi tu fais déjà, bref, on peut commencer à se disputer, etc. On entend des trucs. Pourquoi? Si je parle du principe de base que la vie est sacrée, là, je suis dans une autre démarche. Si je parle du principe de base que une de mes responsabilités de la vie, c'est d'engendrer. Parce qu'attention, on n'est pas né pour faire ce dont on a envie. On est né parce qu'il y a des gens qui ont engendré. Donc on a une responsabilité. Quelle est la responsabilité de transmettre la vie? C'est pas de travailler pour tel ou tel, ou de devenir chef de tel ou tel. C'est pas ça. Hein? Ça vient normalement agrémenter la vie. Faut mettre les choses dans l'ordre. Si tu n'es pas là, tu peux pas devenir chef d'entreprise, tu peux pas ouvrir Ubuntu, tu peux pas... C'est faux ça. Donc en réalité, tu fais Ubuntu juste pour faire Ubuntu, ou bien parce que ça fait partie du processus du Père qui crée pour montrer que c'est possible de créer et que ta vie a un sens. Mais c'est la vie qui a un sens, pas ton envie. C'est... Là, je mets les choses, voilà, je suis peut-être à contre-courant, mais enfin, parce que ce n'est pas nouveau. Mais ce que je veux dire, c'est que... Je vais aller loin. Rencontrer une femme ou rencontrer un homme ne devrait pas être une question d'envie. Parce que bien souvent, comme c'est une envie, ça passe. C'est une envie. Par contre, je partage la même spiritualité qu'elle. Déjà, combien de personnes se posent la question quand ils se rencontrent? Est-ce qu'on a la même façon de penser? Il est beau, il est belle, tu travailles où? Tu gagnes combien? Ça, on va construire quelque chose de solide avec ça? C'est-à-dire qu'une fois que les deux, imaginons, ils sont cadres, ils gagnent ou bien artisans, bref, ils gagnent 3 000, 4 000, 6 000, 10 000 euros ensemble. Ils font la maison avec les meilleurs matériaux, etc. Machin, la voiture, etc. Et puis comme j'ai lu dans un livre qu'on appelle Mémoire cellulaire, au bout d'un moment,
on commence à discuter d'enfants. Parce qu'on a tout ça. On va léguer à qui? On commence à discuter d'enfants. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il s'interroge. Ah, quand je suis né, mon papa ne voulait pas. Ah, à 4 ans, j'ai été violé. Ah, ça faisait déjà 10 ans que j'étais ensemble. Donc, ce que je veux dire, la vie est une profondeur. C'est ça l'intimité. On rentre en profondeur de l'autre, de soi. Pourquoi justement on commence par le superficiel, l'artificiel, la périphérie? Vous savez, dans beaucoup de communes, des fois, tous les quartiers sont bien fleuris, puis le bout est sale. On va dire que la commune est sale. Donc ce que je veux dire, c'est que, attention, hein, on a beau mettre des guirlandes à un sapin sans, je veux dire, abîmer, etc. C'est bon. C'est pas la guirlande qui veut le sapin. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que moi je réponds en fonction de ce qui m'est légué comme héritage. Pas en fonction de ce que la société veut me faire croire de bienveillance, d'acte. De chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. Non, 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 non. Non, non, non. Je dois accueillir la vie, quelle que soit la manière dont elle arrive. C'est ça qu'on doit transmettre. C'est ça qu'on doit enseigner. Tu as fait un petit coup, il y a un enfant, eh bien, c'est parce que tu devais être père. Attention, c'est pas j'ai pas envie, c'est parce que tu devais être père. Sinon, il y a des papas et puis des mamans qui essaient de faire, ils n'arrivent pas. Toi, tu as. Donc, c'est parce que tu devais être père. Maintenant, qu'est-ce que la société met en place pour justement aider à entrer dans ton rôle de père, à entrer dans ton rôle de mère. Et non pas dire, elle n'est pas prête à être mère, hein? Eh bien, elle n'est pas prête, il n'est pas prêt à être père. Bon, on va faire pilule, on va faire ceci, on va faire cela. Moi, je crois qu'on n'est plus dans l'accueil de la vie. On est dans l'accueil de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Moi, ça me gêne énormément, cette société-là. Ça ne m'intéresse pas. Je suis dans l'accueil de la vie. C'est tout. Et je vous dis, franchement, ça m'arrive d'être angoissé du fait que la société qu'on veut nous imposer, c'est une société de l'artifice, de la bacchanale, de la bac à fesses, de l'envie Mercury Beach, du stream, etc. C'est-à-dire de l'envie. De l'envie. Moi, je suis dans la société de la vie. J'ai envie d'un terrain, donc je prends comme je veux. Parce que l'autre n'a pas fait sa succession, je m'installe, je fais ce que je veux. L'envie, c'est ça. Ça va juste. Parce que dans la vie de tous les jours, tout le monde n'est pas concerné par une. Ah bon? Le monsieur, c'est ça qu'il veut. Il a envie. Donc il viole. J'ai envie. L'envie, c'est. Je satisfais mes envies. Alors on va jusqu'où pour satisfaire les envies? Non. Je dois satisfaire le sacré de la vie. Je dois être le représentant du sacré de la vie. C'est ça. J'ai quand même une lueur. Voilà. Non, mais pas de problème. On ne sera pas forcément d'accord. Mais moi, aujourd'hui, c'est ce chemin que je défends. Parce que j'ai vu trop de choses, justement, de malheur, de misère, de choses... j'allais dire de douleur. À cause d'envie. On se comprend, je comprends ce que tu dis. J'ai quand même une nuance, et ça c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire que je peux très bien comprendre qu'on est un homme qui dise que je n'ai pas envie d'enfant. Pour moi, c'est son droit le plus absolu. Parce que premièrement, il faut effectivement l'enfant, une fois qu'on il faut la création. Mais maintenant, de même qu'on peut comprendre une femme qui dit « je veux 10 enfants », je peux comprendre une femme qui me dit « je ne veux pas d'enfants », et je peux comprendre un homme qui me dit « je ne veux pas d'enfants ». Parce que c'est on est père, et lorsqu'on est père, on est quand même responsable. Et lorsqu'on est père à vie. On est père à vie. Donc je peux très bien comprendre, sans tout cela. J'ai vu des hommes, je connais un homme, il me dit, je ne veux pas d'enfant. Mais quand je regarde son comportement,
avec des enfants, il est, comment dirais-je, c'est un vrai père. Il est attentif, il est généreux, il correspond, mais sauf qu'il n'a pas envie de cette responsabilité de père pour lui. Et c'est pour ça que je fais une nuance. Et c'est pour ça là que je pense qu'il faut toujours faire une nuance. Je peux très bien, il y a des femmes qui vous disent, j'ai besoin de 10 enfants. Et puis elles sont bien avec les 10 enfants, elles vont, elles vont au cinéma, même si elle n'a pas beaucoup d'argent, mais tu sens que c'est la mère qui voulait de ses 10 enfants. Et puis tu peux avoir une autre qui te dit, bon, mais avec un enfant, deux enfants, ça me suffit, ou sinon je ne veux pas d'enfant. Ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas mère. Et cette personne-là peut être mère pour une filleule, par exemple. Et c'est pour cela que quand même, j'aime cette nuance, parce que mon expérience à moi me montre que le père, c'est une attention. C'est une attention sépiternelle. C'est une affection, c'est une réflexion. Le père, c'est celui aussi qui peut se tromper. C'est une responsabilité. C'est une création. C'est effectivement très bon pour l'avenir. C'est très bon pour la vie. Mais c'est sempiternellement une responsabilité et on ne doit pas faillir. Et on ne doit pas faire de erreur parce qu'il suffit qu'on dise qu'on fasse un mauvais geste, qu'on ait une mauvaise réflexion pour créer une tare chez l'enfant ou autre. Donc je peux comprendre cette différence. Je peux comprendre ce père qui peut dire je n'ai pas envie ou cette mère qui dit je n'ai pas envie. Je respecte totalement sa conception. Merci beaucoup. Pas de témoignage, pas de questions. Est-ce que vous avez des questions? Je peux rajouter que on a une vraie nuance parce que la vie elle-même, c'est-à-dire que là on est en train de culpabiliser parce qu'en fait il faudrait être parfait, un geste. On va se tromper. Et on va être forgé par la vie. Pour la vie nous donnera les circonstances, les propos qu'on devrait entendre pour se forger soi. C'est-à-dire que vouloir tout cadrer pour que ça soit quasiment parfait, c'est pas possible. Donc, la vie elle-même fait le choix. C'est-à-dire, c'est là que je ne suis pas dans le contrôle. Je suis dans l'accueil de la vie. Si, et parce qu'en ancestralité, on considère que l'enfant passe par tel parent pour arriver et s'incarner. Donc, et pour accomplir sa mission, il va avoir les circonstances de la vie pour qu'il accomplisse sa mission, comme toi-même. Parce que si tu avais réfléchi à être parfait, je ne sais pas si tu aurais fait même le premier, d'après ce que j'entends. Donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que tu es heureux d'avoir cet enfant-là. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que... Excuse-moi, je vais te rencontrer cher, mais j'ai quand même fait une nuance parce que je ne veux pas tricher avec moi-même. Quand j'ai eu à 17 ans et demi cet enfant, je ne peux pas dire que j'ai eu un choix. J'étais un marginal et je n'avais pas cette réflexion-là. Donc, l'enfant est venu. Là où je suis fier, c'est que je m'en suis occupé. Dans ma marginalité, certes, mais je ne peux pas dire qu'il y a un choix. Par contre, 20 ans après, je me suis marié, j'avais 40 ans, j'avais une réflexion. Là, j'ai fait un choix. L'enfant, moi, ce que je dis dans le rôle du père, c'est-à-dire que le père, ça peut arriver que tu aies un enfant parce que tu n'as pas voulu, mais une fois que tu es là, il faut que tu t'en occupes. Je m'en suis occupé peut-être de manière anachronique, puisque je n'aime pas tricher sur moi-même, mais je ferai une grande différence entre deux enfants que j'ai eus où j'étais pratiquement un adolescent, avec une réflexion, avec un comportement spontané, et un autre, une fois que j'ai 40 ans, où j'ai quand même un autre comportement, j'ai une autre réflexion, je regarde la vie autrement, j'ai une autre expérience qui fait que je suis beaucoup plus, peut-être, attentif, etc. J'ai très bien compris ce que je t'ai dit, c'est pour ça que je dis que je fais une nuance, et cette nuance-là, je l'ai fait à tous les niveaux. Moi, je vais te donner un exemple qui est bien simple, sans sortir du sujet. Je suis croyant, ça m'est arrivé de rencontrer des gens qui sont athées. Le gars, il me dit, je suis athée. J'en ai rencontré, je travaille avec un gars qui était infirmier à l'hôpital, il me dit, moi, je suis athée. Et moi, je regarde ce comportement, le comportement de ce gars, dans la vie, je vois qu'il est beaucoup plus humain
que n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va te dire, bon, effectivement, je ne crois pas en Dieu, mais c'est un gars qui est, comment dirais-je, c'est un humain à 100%. Et donc, c'est pour cela que je veux quand même faire ces différences. Je comprends ce que tu dis dans l'ancestralité. Et effectivement, il y a quand même cette philosophie-là, ancestrale, que je respecte et que je veux m'initier. Mais dans ma conception personnelle, je me dis que je respecte totalement un homme qui me dit, bon, voilà, j'ai pas envie d'enfant, et parce que je ne me sens pas capable, etc., etc. Je le respecte totalement, et je ne veux pas lui pointer du doigt. Il y a quelqu'un là, d'accord. Oui, alors, messieurs, je vous remercie pour ce témoignage, parce que, bon, je suis maman, donc je suis ravie de voir des papas qui prennent la parole. Donc, j'ai deux remarques à faire. Je me suis mariée et mon mari est devenu mon papa. Et il y a 10 ans de cela, on l'a traité de macoumet parce que voilà, c'était mon mari avait son fils, notre fils, avec lui partout. Et c'était, en fait, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, Monsieur Lévy, sur de ne pas négliger le poids de la société, parce que de la même manière, vous parlez d'accueillir la vie avec l'amour, avec la bienveillance. Ce n'est pas évident, enfin pour nous les femmes, on est potomie de toutes les façons, donc voilà. On va gérer, donc c'est pour nous, mais qu'un homme veuille naturellement s'occuper de son enfant et sortir avec, il y a une pression sociale qui est très très forte, et il lui a fallu beaucoup de courage, et j'ai beaucoup admiré mon mari sur ça, parce qu'il n'a pas démordu, il est resté, il a emmené son enfant au supermarché, comme vous le disiez, ce genre de choses. Et il y a 10 ans de cela, c'était mal vu. On a questionné sa masculinité sur ça. Donc, j'aurais bien aimé avoir votre retour sur l'impact de la société, de notre société actuelle, sur justement le rôle de père que vous prenez en main. Et voilà, cette histoire de père. Et deuxièmement, surtout quand vous parlez de l'envie. L'envie d'être parent, l'envie d'être père, d'être mère. Des fois aussi, ne pas oublier la pression sociale, parce que je travaille avec des enfants. Et pour la plupart, certains ne voient le succès, l'accomplissement, le fait de devenir homme ou femme, qu'à travers la paternité ou la maternité. C'est-à-dire que bon, je suis une femme au moment où je fais mon enfant. Donc je parle à des élèves, je suis professeure. Donc je parle à des élèves qui sont peut-être qui ont des difficultés à l'école, ce genre de choses, où on travaille avec eux pour les faire avancer. Et en fait, leur accomplissement dans la vie, c'est de faire un enfant. Donc, peu importe les circonstances, peu importe. C'est à 15 ans, à 14 ans, je fais mon enfant. C'est ça, je fais mon enfant. Bien, j'ai Madame, tu as déjà fait ton enfant. C'est très important de faire son enfant. Et là, j'ai l'impression que c'est qu'à partir du fait où on va faire son enfant, que ce soit un garçon ou une fille, on va atteindre ce statut d'être homme ou femme et rien d'autre. Donc, et là, effectivement, on est piégé parce que du coup, on a pas mal de parents actuels qui ont fait leur enfant et on doit s'en occuper. C'est super compliqué. Il y a pas mal de choses, il y a pas mal de traumas ou d'expériences. Il y a pas mal de choses à gérer au-delà de l'éducation simple qu'on devrait faire de l'enfant, de l'enseignement. On doit faire de l'éducation, on doit faire pas mal de choses. Et ça, c'est assez préoccupant. Et est-ce que notre société, qui justement dicte, enfin pousse, il faut faire ton enfant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Parce que là, si mamie n'est pas là, si maman n'est pas là, si papa n'est pas là, s'il n'y a pas un système de soutien conséquent, parce que là, du coup, on n'en a plus, on se retrouve avec des gens qui font leur enfant. Et puis voilà, c'est assez compliqué. Donc je voulais juste vous faire part de ce témoignage, de ces deux choses, des hommes qui sont papas et qui se font charrier, et de personnes qui sont géniteurs ou génitrices, hein, c'est les deux, et voilà, qui sont dans la société parce qu'ils ont fait leur enfant, mais du coup, l'enfant, il est pour qui, il est pourquoi, et où est le système d'amour, qu'est-ce que nous faisons justement pour entretenir ces générations d'acquiers. Voilà. Tout à fait, Olivier en a parlé. C'est pour ça que je le rejoins. C'est pour ça que je le rejoins. Et dans la société, comme je dis, dans notre société, il y a eu toute une chronologie. Hein. Il y a une chronologie d'éducation, il y a une réalité, et lui, il en parle.
et c'est pour ça que je partage totalement sa société dans sa, son, dans sa conception d'ancestralité. Moi, je partage totalement. Parce qu'on voit qu'il y a la, la différence. On voit la différence. Moi, j'ai nous avons connu un peu les pères qui avaient 3, 4, 5 femmes et que la mère restait à la maison et la mère était pratiquement soumise. On voit déjà la progression. Toi, tu parles de 10 ans, moi je te parle de 20 ans, de plus 20 ans où j'allais dans une crèche et que, et effectivement, j'allais emmener ma fille à la crèche ou à l'école où je voyais très peu. Et comme je l'ai déjà dit, et Olivier en a parlé, et je suis d'accord avec lui aussi, parce que je fais une nuance quand il dit qu'effectivement, quand tu fais un enfant, tu n'as pas de perfection. Et effectivement, je suis totalement d'accord, c'est progressivement, si tu as un comportement, si réellement tu es un papa, c'est, tu vas te rendre compte que voilà, j'ai dit telle et telle petite à mon enfant, j'ai fait telle et telle réflexion, je l'ai traité de gros, ou je l'ai traité de quoi que ce soit, et que je l'ai blessé sans m'en rendre compte, sans que moi-même je sois méchant. Et donc, pour revenir à ce que tu dis, on se rendra compte de dans l'éducation, dans progressivement, qu'on finira par s'apprendre pour faire une société homogène. Moi, je te donne un exemple, comment on apprend, et d'ailleurs, tu as. C'est pour ça que des fois, tu as des sociétés où tu as que des femmes, un peu féministes, et de l'autre, que tu as comme des machos. Et ça, c'est bien qu'on ait comme ça toute une diversité entre hommes et femmes. Et femmes, ça nous permet de connaître les nuances, ce que j'appelle les nuances. Eh bien, comment dirais-je, je ne veux pas perdre mon fil, je regarde un film. Cowboy, je devais avoir 17, 18 ans. J'avais la mentalité qu'on avait toujours véhiculée, la mentalité macho. Et dans mon temps, c'était le cowboy que tu voyais. Tu vois, tu allais au cinéma, tu regardais les cowboys. Il s'allait, tu étais au cinéma, il s'allait, ceci, enfin bref, fermons la parenthèse. Et à un moment, tu as ce qu'on appelait le maître-pièce qui s'approche comme ça et il est avec un autre gars. Et puis le maître-pièce regarde dans une maison et il voit un gars qui est en train de taper. Je donne beaucoup cet exemple-là, c'est pour te montrer comment, en ayant des discussions, comment on échange, comment on peut changer. Justement parce que la société nous a imposé des choses. Et donc, le maître-pièce voit un autre qui est en train de taper une femme, un gars qui est en train de taper sa femme. Il est caché comme ça, avec ses fusils, il dit, et il dit à son autre, son compagnon, tu vois ce gars-là, je vais le claquer, je vais le taper, mais avec des claques. Et l'autre lui dit, mais pourquoi? Parce que l'autre, il était déjà fier, le gars est en train de taper sa femme, donc c'est un homme, il n'a pas de mal en ligne, donc c'est un coq. Et le gars, il lui dit non, je vais le maître-pièce, il dit, je vais le frapper, je vais le taper avec les mains, parce que c'est un lâche. Et c'est un lâche puisque, parce qu'il est en train de taper une femme, il n'échange pas, il est en train de taper. Et moi, dans ma tête de 18 ans, qui partageait déjà la conception de celui qui tapait la femme parce que c'était le macho, et parce que c'est ce qu'on avait véhiculé dans ma tête, c'est même de manière biblique, de même qu'on a véhiculé bibliquement que sataniquement les nègres étaient méchant et de manière manichéenne, qui fait que nos enfants ne peuvent pas avoir, comment dirais-je, une certaine lumière, ne soient pas des héros, de même qu'on les a liés dans la tête de ces enfants, qu'on avait des Ramsès III qui étaient des pharaons, qu'on avait une culture en Égypte, ces enfants-là n'ont pas la possibilité de vouloir créer de leur pays, de pouvoir avoir une puissance de leur pays et de pouvoir pas être maître de leur pays. Mais pas de manière sectaire, ni de manière raciste, mais simplement parce que c'est leur rôle dans leur pays d'avoir la primauté, d'avoir les meilleures places, d'être à la place du préfet, d'être à la place du directeur de l'hôpital, d'être à la place de tout, ou sinon le président de la République. Ils ont deux solutions. Soit ils sont le président de la République, de la société qui les impose, dans ce cas-là, il n'y a pas le truc, et ça... Je ferme la parenthèse pour ne pas être trop révolutionnaire. Ça te montre que justement, il y a des choses qu'on te met dans ta tête. Et justement, dans ma tête, je me dis, mais waouh, ici, il y a une raison, un homme qui a frappé en forme, sans lâche. Et dans ma tête, il y a un travail qui est fait. Et ce même travail-là, c'est ce même travail-là que nous sommes en train de faire. C'est ce même travail-là qui fera qu'un enfant, un père, va faire son enfant et qui sera responsable. Qui c'est un accident, qui c'est pas un accident, si maman est là. Faut qu'on baille l'amour et surtout faut pas augmenter les dilouettes. Et pour faut qu'on crie, faut qu'on baille force pour que demain matin il s'en acte et qu'il s'en acte pays. Et c'est quand tu lui diras à ton enfant qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est puissant,
et que quand tu vas lui apprendre à ne pas être ni sectaire ni raciste, mais à être une force dans le pays, c'est ça qu'il faut un peu. Et c'est pour cela que je te dis que ce sont des échanges comme ça qui font que nous changeons. Et c'est pour cela que ça fait quelques années, tu ne voyais pas des hommes dans les crèches. C'est justement à cause de la discussion, et c'est justement parce qu'il y a une réalité que nous devons avec la communication, pas avec des coups de pied ou des coups de poing. Moi, j'ai eu beaucoup de coups quand j'étais petit, mais de l'autre côté, j'ai une mère qui m'a donné beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, qui fait qu'il y avait une balance, et je ne peux pas non plus juger mon père, parce que mon père était dans une société qui lui avait imposé ça. Et donc, pour fermer la parenthèse, pour ne pas être trop volubile, c'est en ayant des échanges comme ça, et en voulant, en étant père dans toute sa responsabilité, que nous aurons une société respectable. Je le répète souvent, mais c'est capital. Et tout ce genre de carences qu'il a, qui sont manichéennes quelquefois, qui sont à des hommes machiavéliques, méchants, qui veulent bousiller les sociétés, qui font que nous sommes faits et que nous sommes qu'on nous traite soit de ma propre, de soi-ci, simplement parce que justement, nous n'arrivons pas à créer une famille. Ça peut arriver pour créer une famille. Ça peut arriver que tu aies un enfant et qu'on soit séparé. Mais si toi, tu véhicules à cet enfant l'amour, si l'enfant voit que, malgré que le père soit séparé avec toi, mais que le père a un respect pour toi, et que vous arrivez à donner des velléités d'amour, eh bien ça va faire une puissance et une force. Donc c'est pour ça que je fais quand même des différences en respectant quelqu'un qui peut dire « je ne veux pas de ça », mais à partir du moment où il est là, il faut qu'on réponde ça. Messieurs, merci. Deux minutes. Parce que là, vraiment. Deux minutes. La question qu'elle pose est fondamentale. Le monde des religions a inventé le patriarcat, c'est-à-dire le monde par la force. L'ancestralité est dans le matriarcat, c'est-à-dire le monde par l'amour. Les religions dites révélées ont imposé le pouvoir de l'homme, c'est-à-dire le pouvoir par la force. L'ancestralité de nos sociétés, on héritait de la mère. Donc, quand tu hérites de la mère, tu vois bien qu'une mère va organiser la société de manière différente qu'un père. Donc, l'héritage foncier, l'héritage du nom, c'était la mère. Donc, tu n'as pas ce problème de papa qui va regarder notre homme pour lui dire ah, si j'emmène mon enfant à l'école ou à la crèche, etc., je vais être mal vu, maltraité ou bien jugé comme un sous-homme, comme un homme sans couilles, un macoumé, comme on dit. Bon. Donc, au contraire, lorsque tu vas emmener ton enfant à la parcourir le jardin, etc., l'emmener partout, tu seras vu comme un homme faisant son job de père. Donc en réalité, c'est pour ça que c'est très important de voir que depuis 2500 ans, on nous a imposé un modèle par le patriarcat. Nous sommes maintenant dans ce qu'on appelle, pour ceux qui ont lu nous et d'autres, dans l'ère du Verseau, c'est-à-dire dans l'ère de l'harmonie, de l'amour, du retour, des valeurs de partage, d'échange. Donc, c'est-à-dire, en réalité, on revient à la source, c'est-à-dire au respect de ce qui crée. Tout ce qui crée est à respecter. Alors, par-dessus tout, la femme. Merci. Belle conclusion. Messieurs, merci. Franchement, merci pour vos interventions. Merci de vous être déplacés, parce que demain, c'est un vendredi saint. J'ai un défi. On a beaucoup parlé. Il y a des gens qui ont adhéré. J'ai un défi pour vous, finalement, 5. Je vous propose de passer à l'acte, de matérialiser. Parce qu'en fait, ce qui me manque aujourd'hui, c'est vraiment un espace où on accueille des jeunes et moins jeunes. Olivier, en fait, de ce cas, 5 à moins de Mona encore. Le défi à vous, 5, messieurs, parce qu'on aime parler. Maintenant, il faut trouver des personnes, des hommes en devenir pères ou des pères qui vont être en mesure de se construire ou de déconstruire. Mais en tous les cas, vous aurez un espace que je sais déjà où. Et à vous cinq, vous allez permettre à ces hommes, à un groupe d'hommes, de pouvoir être sous forme d'atelier et de
pouvoir avec vous, lui, Laurent, son quantique, apprendre de vous, transmission grâce à vous. Parce que il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais le nommer Monsieur Haribo, c'est pas à travers les réseaux sociaux que tu vas régler ton problème. Il faut passer à l'acte, il faut aller chercher les gens. Et toutes les personnes que tu rencontres doivent pouvoir transmettre. Donc à vous de réfléchir, on va réfléchir ensemble sur la date. Les personnes qui nous suivent, si vous avez un homme en devenir père, un père en construction, en déconstruction, je l'invite à s'inscrire de toutes les façons à 5 ateliers présentés par 5 personnes et on a dit que vous êtes de qualité. Vous êtes vraiment de qualité. Non. Maintenant, il est financé ce soir. Merci. Merci à vous. Merci à vous.